死んでいる。Bienvenue sur la chaîne de Vitality, on est en direct de Retro eSport Club et bah ce soir je suis pas tout seul puisque bien sûr je suis accompagné, on est tous ensemble, là on joue sur du rétro donc c'est pas du online donc on est bien obligé de jouer comme ça, c'est bon normalement vous m'entendez bien, cette fois-ci j'ai pu allumer le micro, putain c'est balèze hein. Déjà c'est un bel exploit. T'as vu, le micro marche, on dirait, le micro marche. voilà, je suis en compagnie pour ce rétro e-sport club de Ken Bogard, de bonjour. Le stream. Bienvenue, Ken Bogard. Bonjour. Alors, c'est un plaisir vraiment de participer à toutes ces horizonneries. Absolument incroyable, c'est fou dans cette pièce que vous ne pouvez pas voir en intégralité. C'est bien dommage, hein, car elle est vraiment formidable. On se sent isolé du monde. On a un peu l'impression de s'être fait kidnapper et il y a des Dual Heroes Nintendo 64 donc autant vous dire qu'on est bien. Les micros marchent moyen par contre. Il faudrait être plus précis dans le... Attends, je vais augmenter le gain du micro, c'est tout à fait possible. Merci. Voilà, Queens of Queens. Queens of Queens. Le monter le son de Ken et Yamato. Ouais, monte le son de ton micro à fond là. Pourquoi tu l'as pas mis à fond? Mais parce qu'après ça sature. Hein. Ça sature, non. Ah, ça c'est mieux là, non? C'est mieux là? Non, c'est mieux. Ah, ouais, on nous entend faiblement un peu. Mais sinon, tu peux monter sur le micro directement. Il y a un bouton. Ouais, je crois que ça sature pas. Fou à fond d'horizon. Mais non, c'est pas bon. Pas là. Mais si. Là. Ah bon, d'accord. Mais si, parce qu'en fait, le gain est déjà bien poussé, tu vois. Sur. Il faut maximiser les gains. En fait, c'est tout à fait réglé. Okay. Sinon, voilà, il suffit de monter le son. Mais bon, il y a. Mais c'est vous aussi qui m'avez dit les réglages là, mais tout ça, bien, du là. Micro. Bah ouais, on est bien. C'est bon, c'est mieux là ou pas? Mais en tout cas, on est dans Retro eSport Club. Et arrête de fouiller partout. Et le principe de cette émission. Il y a un mec qui stream un peu sur le canap, il peut t'aider. C'est de tout touiller ici. Le voilà. But, c'est de pas faire tomber les trucs. Donc, je vous rappelle que le principe de cette émission, c'est qu'on reçoit des joueurs merveilleux, à savoir Yamato, Ken Bogard, et ils vont pouvoir s'affronter pour décider qui est le meilleur. Je vous rappelle un petit peu les règles. Reposez et sortez vos jeux, qui est le vrai concept de cette émission. Donc, c'est une émission de compétition, c'est du rétro e-sport, c'est absolument très 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 sérieux. Voilà. Il y a un mec qui stream sur le canap, il peut t'aider. Bah ouais, mais il a dit... Non, il est 19h passé, c'est fini, je travaille plus. Hein. On travaille plus passé cette heure-ci. Ah ! Désolé, hein. Bisous à Chiquito. Hein, voilà, donc, chers amis... je crois plus le gain il est bien au son. Non, bah, attends, montez le son, montez votre son là, normalement ça s'entend très bien. Alors, donc, je vous rappelle le concept, c'est que j'invite sur le canapé deux joueurs qui s'affrontent pour déterminer sur le rétro gaming qui sont les meilleurs joueurs de la folie du rétro. Et ce soir, c'est un spécial Super Famicom. On va jouer avec des jeux originaux uniquement sur Super Famicom, hein, la console de 90 et 92 en France. Et il faut savoir que c'est Yamato, donc Valentin Lormeau de Gozulting, quelque part, un peu JVTV, ex-Luxtreme, un peu tout. Le streamer, le comité, c'est lui. Les finales Dragon Ball Fighters, c'est lui. C'est mon ex. C'est voilà. Et qui est lui-même streamer sur sa chaîne. Sur Yamato, ta chaîne, Twitch, sur ta chaîne Yamato. Yamato voilà. Explique-nous pourquoi tu as décidé de défier dans le Retro eSport Club la légende vivante Ken Bogard. Parce que c'est une arnaque, voilà. Je suis désolé Verdier, je t'aime beaucoup, mais t'es une fraude. Voilà, je tiens à exposer au monde entier quelle fraude tu es, quelle arnaque, sac à merde.
Voilà. Mais restez polis quand même. Mais non, mais il faut un peu trash talk avant ce genre de rencontre, sinon on passe pour qui, hein? Et donc tu t'es dit, je vais le défier et je vais montrer en stream sur Vitality. Non, on est bien sur Vitality, la chaîne de l'e-sport, qui c'est le boss. En vrai, la vraie raison, c'est qu'à chaque fois qu'on s'est vu avec Ken, mais on travaille et on n'a pas le temps de jouer ensemble. C'est exactement ça. On n'a jamais joué ensemble, on a tous les deux kiffé les jeux de baston. On achète tout et on peut pas jouer ensemble. Quand il a commencé à commenter des compétitions, moi j'étais en train de les streamer et on joue jamais ensemble. Il fallait bien un jour qu'on puisse un peu se dégager un peu de temps et jouer ensemble, merde quoi. Mais ça qu'à merde quand même. Pour le trash. Ken, tu as accepté sereinement cette invitation. J'ai accepté sereinement. Mais est-ce que tu es confiant? Je suis confiant moyennement car j'ai déjà perdu le premier défi, celui de la qualité globale des jeux, des boîtes de jeux. Alors, je vais rappeler, pour les gens qui ne connaissent pas, je rappelle la règle, c'est qu'en fait, dans cette émission, ça se joue, tu sais, c'est comme en NBA, les finales de la NBA, c'est le premier à 4, il faut remporter 4 défis. Chaque défi se joue en FT2 sur un jeu, ok? Donc, pour arriver jusqu'à 4, mais t'es bien d'accord que ça peut finir à 4 à 3. Oui. Mais il peut y avoir 3 partout. Donc, pour commencer, chaque joueur va décider 3 jeux qu'il choisit. Et en fait, quand il perd un défi, il peut choisir le prochain jeu parmi un des jeux qu'il a normal, amené. Évidemment. Tout simplement. Voilà, ça c'est la base. Sachant que s'il y a égalité, chers amis, et c'est ça que je vais vous montrer tout de suite, maintenant, oui. Tout de suite, en cas d'égalité, j'ai décidé que s'il y avait 3 partout, ça se jouerait sur Dragon Ball Z Super Butoden 2 1993 Super Famicom, parce que bon bah il est temps de... Il est temps un petit peu de se respecter quelque part. Il est temps de jouer à des jeux de merde. Mais ça sera uniquement si on arrive à 3 partout. Parce que d'ici à ce qu'on arrive à 3 partout, je crois que vous avez quand même gardé quelques belles surprises. Est-ce que, Ken, tu peux... On peut montrer un peu les jeux. Bah montre-nous les jeux, oui, c'est quand même l'idée. Alors d'abord, le tout premier jeu que j'ai moi-même personnellement choisi, je suis champion d'Europe sur ce jeu. Il s'agit de Sailor Moon S, Bishoujo Senji Sailor Moon S. Un jeu extraordinaire sorti en 1994, développé par Angel, qui est le jeu de combat officiel Sailor Moon, et qui est ni plus ni moins qu'un des meilleurs jeux de combat existants sur la plateforme, joué encore à l'Evo toutes les années. Esports ready, hein. Voilà, quand il n'y avait pas des tweets longueurs. Il est très bien. Donc Sailor Moon, gros jeu. Ensuite, un peu moins connu parce que les gens pensent que ça s'est arrêté à la version Neo. Ah oui, mais non. Grosse erreur, puisque nous allons jouer à Fighters History Mizoguchi Kiki Ipatsu, à savoir le troisième épisode de la série Fighters History, mieux connu sous le nom de Karnov's Revenge, bien entendu, dont la meilleure mouture est sur Neo Geo, mais sur Neo Geo, sachez-le, c'est l'épisode numéro 2. Le premier épisode est un épisode Super Nintendo, et le troisième épisode est aussi un Super Nintendo. Et une exclusivité de 95 sur Super Famicom. Donc, complètement une exclusivité, elle coûte là. Peau du cul. Ah ouais, et ouais, ça coûte mais cher. Mais t'es un riche, toi. Ça coûte cher. Toi, t'as fait des crowdfunding pour une émission de l'autre, non? Et quand ouais, je pense que tout l'argent des subs passe dans l'achat de ces cartouches qui ne se servent à rien. Mais c'est quand même une inférieure version par rapport aux deux sur Neo Geo. Bah ouais, oui. C'est mais un c'est énorme downgrade mais graphique. Mais c'est la suite de l'histoire. Oh super, je suis tellement ravi. Tu ne connais pas l'histoire de Fighters History. History pour histoire, monsieur. Ouais, bien sûr. Valentin, attends, maintenant il va sortir le vrai jeu, vrai jeu qui n'a que pour toi. Évidemment, en cas d'embrouille, j'ai recherché ce jeu 5 ans de ma vie à passer dans tout le Japon, à savoir les. Je l'ai trouvé. Ah, il est chez Trader à Paris. Hein. Au Surugaya, mais encore heureux, je l'ai trouvé au Surugaya de Tokyo. Pour pouvoir le trouver, je l'ai trouvé vraiment dernière frame. Il s'agit de Matsumura Kuni Hiroden, qui est ni plus ni moins qu'un jeu de combat avec, eh bien, Matsumura, un humoriste japonais de l'époque, tombé dans l'oubli comme Vincent Lagaffe, mais qui a créé son jeu de baston à lui, où il incarne la totalité des personnages. Ah, mais comme il y avait un jeu avec Jackie Chan comme ça, de baston. Non, où il jouait pas en arcade, où il jouait complètement, tous les bastons. Complètement. Ça voilà. Connaît. Donc voilà, c'est les jeux que tu as choisis. Parfait. Valentin, est-ce que tu te sens confiant sur ces choix de Ken Bogard? Est-ce que tu t'es entraîné sur ces jeux pour le tuer à ces jeux? Alors, Sailor Moon, j'ai taffé, j'ai un perso, j'ai une strat, j'ai re-même taffé un peu mes combos. Je suis confiant sur Sailor Moon. Fighter History,
déjà un peu plus compliqué parce que moi je jouais Rey dans le 2 et il est plus dans le 3. Oh les excuses de ça. Donc j'ai un leak. Ça commence. J'ai un leak. Ça commence. Très bon perso, très j'ai bon un perso. Lit, voilà, c'est dans les top tiers, en dehors du boss bien évidemment. Mais j'ai pas beaucoup d'expérience avec Lee et j'ai vraiment mes réflexes de Rey sur le jeu, donc je sais pas. Et le troisième, alors là il est. Je savais que t'avais pas beaucoup d'expérience au Lee. Inconnu. Oh c'est très raciste comme blague. Tu vas être cancel sur Twitter toi. Et le troisième, je ne le connais absolument pas et j'y vais comme un. Oh, j'y vais comme. Moi, y'a pas besoin de plus, tu verras. Comme un mec qui a 7 de moyenne à l'année en terminale et qui va au bac au culot, tu vois. Genre, j'y vais au culot. Y'a pas besoin de plus, t'en fais pas. Alors, est-ce que tu peux, Yamato, nous montrer un petit peu ce que toi, tu as ramené quelques jeux, ma foi, fort sympathiques pour tenter de tuer. Alors, finalement, Ken Bogard, il était smart, tu vois, il a pris des jeux où il se dit peut-être que Valentin va pas connaître, mais toi, tu as pris des grands classiques. Moi, j'ai pris des grands classiques parce que voilà, j'ai pas monté Goz Ultime pour acheter des jeux de merde, tu vois. Enfin, à un moment, voilà, on est une boîte, on se respecte. Donc, le premier, qui est mon choix de jeu du cœur, et je milite pour ce jeu-là, c'est probablement dans mon top 3. C'est un putain de jeu, non ? Enfin, c'est un super jeu. C'est mon top 3 de jeux de combat Super Nintendo, par la Real, par le Game System, par tout, en fait, les graphismes, les musiques, le gameplay. Il est un peu broken. Il y a des loops, il y a des infinites et tout, mais bon, qui n'en a pas sur Super Nintendo ? Ah mais t'imagines, en plus les gens parlaient tout le temps évidemment des classiques Street Fighter, voilà. Super Nintendo, les Mortal Kombat, voilà. Mais personne savait que le jeu à la réal, c'est le Gundam Wing Endless. Endless Duel, qui est pas très cher d'ailleurs, même à l'heure actuelle il se trouve assez facilement. 70-80 balles hein, quand même. Ouais. Pas au Japon, mais en France. Ça a vachement augmenté France, ces dernières France, années, ouais. T'es sûr que c'est mais cher. Il est sorti sur la fin de vie de la console du coup, et il a été pas mal édité parce que Gundam Wing était très populaire. Donc il se trouve encore assez facilement et ouais bah, il est vraiment excellent. C'est une des rares cartouches 48 mégas non de, ouais. De Super Nintendo. Hein. Et moi Gundam bon c'est un peu un de mes animés de la vie donc ça paraissait logique. Ensuite c'est pareil alors ça c'est également un classique voilà. Le Teenage Mutant Ninja. J'avoue. Ah voilà ça c'est quand même. Mutant Warrior et non pas Fighters. C'est le jeu de la vérité. Tournament Fighter. Tournament Fighter c'est Mutant Warrior au Japon basé sur le comics. Pas du tout sur la série télé, parce qu'on va avoir des persos qu'on ne connaît pas dans la série télé. Mais pareil, excellent jeu de combat. Oui, mais Ken, c'est y jouer, tu prends des risques. C'est ça, j'ai d'un point de vue stratégique, t'as été moins bon. Non. Je l'ai eu très tard. Ouais, je t'ai vu t'entraîner. Très tard, j'ai un Wingnut. Le plaisir. Ah, voilà. Le plaisir. Ah, oui. J'ai un requin, Didrus. On a tous un requin, je crois, de toute façon. Non, moi, je joue Raphaël, moi. Ah, ah voilà. Ouais. Et enfin, le dernier jeu que t'es même pas foutu de me dire lequel c'était. Alors, voilà. Non, mais c'est chiant. C'est chiant. Voilà, donc Ranma 1/2, c'est Chogi Rambu N, qui est en fait le troisième épisode, et que moi je pensais que c'était le deuxième, donc voilà, on a triché, on a annoncé le mauvais jeu, mais il faut avouer que les deux premiers sont nuls à chier. Ouais, c'est... Le premier est abyssalement nul, le deuxième est nul. C'est le même en plus. Et le troisième, par contre, il a une vraie bonne réal, il a un vrai game design, pour moi il est aussi bon que Sailor Moon. Ouais, mais les deux premiers c'est Mamsa qui fait les jeux, alors que là c'est plus les mêmes qui fait les non, jeux. Non, c'est Rumixoft. Ouais. Ça change tout. Bah ça change tout. Ah, bah, l'autre c'était un jeu à la garde et c'était un bouton, tu vois, t'avais des placements un peu. Et surtout il a un roster vraiment rigolo parce que bah, par exemple il y a Mariko la pom-pom girl dedans. Voilà, et il y a plein de. Il y a un cast vraiment varié pour le coup, donc c'est chouette. Bon! Eh bien, chers amis, je pense qu'il va être temps de passer au combat. Je vous rappelle les règles. C'est le premier arrivé qui peut gagner 4 défis. Il faut arriver à 4 points. Chaque défi se joue en FT2. Pour le premier jeu, parce qu'évidemment, il n'y a pas encore eu de perdant. Donc, pour décider qui choisit son premier jeu, on va tirer à pile ou face. Oh, évidemment, bien. Avec une pièce lootée au Japon, vu qu'il s'ajoute de la mythique pièce de 50 yens qui vous permet encore aujourd'hui de jouer à la plupart des jeux de combat à Mikado Takada no Baba. Tout à fait. Voilà. Alors, qui prend pile ? Bon, je prends pile. Hein. De toute façon, c'est du hasard. Vas-y. Alors, face. Pile, le pile des 50. Attends. Ah ! Et t'as pas fait tourner la pièce, tu te fous de moi ou quoi ? Mais je peux pas. Si tu veux, je peux le lancer. Oui, vas-y, lance. Mais non, c'est biaisé si c'est toi qui lance. Non, fais la toupie. La toupie. Merde. Ah, j'ai fait une toupie. T'as fait une toupie. Pile. C'est Yamato. Yamato-sama, tu vas pouvoir décider
du premier jeu. Je rappelle que... Eh bien, on va commencer sur... Alors, attends, il y a le lot, j'ai oublié de vous donner le lot. Ce soir, il y a la couronne Windjammers à gagner, celle que je porte, c'est pour ça que je la porte. La couronne Windjammers, c'est la couronne, évidemment, du champion de ce soir, même s'il n'y a aucun lien, c'est juste parce qu'il fallait bien un truc à gagner. Alors, je rappelle que ce lot si je gagne, est je offert par notre sponsor, qui, je sais pas qui c'est, parce qu'on n'en a pas vraiment, mais je... Bah là c'est Dotemu hein. C'est Dotemu. C'est eux qui ont fait. Ouais, c'est Dotemu hein. Alors Valentin Yamato Lormo, tu as l'honneur de décider du premier jeu. Eh bien ça sera on va commencer soft, on va commencer sur TMNT. Ah le mec. Alors je t'invite à éteindre la Super Famicom, à éjecter Super Butoden 2. Oh le fou. Putain mais t'es, il a enfoncé le bouton quoi. Oh. Tiens, mais... Je te donne le truc. C'est un malade. Alors, attention, moi je ne prends que des jeux complets. Donc bah j'ai la oui, notice. Évidemment, évidemment. Donne-moi la notice. Dans un état impeccabulux. Je rappelle que dans ce, nous jouons uniquement sur des jeux originaux qui sont rapportés par les joueurs. Pour se défier dans cette émission, faut venir avec tes jeux, sinon tu peux pas jouer. Ça c'est pas mal. Blague à part. Blague à part, blague à part. Ça regarde la commande liste. Ça regarde la commande liste. Frame. En mode, attendez. Ah, mais, ah oui, c'est comme ça. Ok. Eh ben, on est alors, pas attends, dans la merde. On va, je vais regarder un petit peu le réglage du son du jeu. On n'est pas trop mal sur le son du jeu. C'est qu'à merde. On est pas dans la merde, moi, je te le dis. Hein. On va pousser un peu le son du jeu. 3 ans de coffre inversif pour regarder la notice une fois que le jeu est lancé. Non, mais sur ce jeu, j'ai choisi mon personnage là, en fait. J'ai une excuse. Oh, alors attendez, calmez-vous, on se détend. On va lancer, voilà, le véritable overlay qui lance le début, chers amis, de ce Rétro eSport Club. Le voici, le voilà, les noms vont s'afficher, on est parti. Ken Bogart, t'es bien player 1. Je suis bien player 1. Voilà, il est à gauche pour vous. Yamato, tu es à droite. Alors attends, Ken Bogart, explique ton choix. Wingnut. Je joue Wingnut qui est un tout petit peu le gookie du jeu. Donc ma stratégie, comme je joue moins bien que Yamato à ce jeu, parce que j'ai très peu joué, c'est de zoner comme un enculé jusqu'à ce qu'il crève. Ah, et ça marche? Ah, je ne sais pas, le perso, j'ai jamais perso, joué. C'est un perso à zoning, Wingnut, en fait il peut voler, il a des air dash et il est assez casse-couille, ouais. Il est dans la tier list, il est au même niveau que Raphaël. Mais je viens de découvrir. Raphaël, mais il est top tier Raphaël? Non, il est non, il est mid plus. Ça vous avez vraiment le top c'est le requin. Passe-moi la boîte, tiens, un peu que je montre aux gens. Le top c'est le requin, la boîte un petit peu que les gens un petit peu voient. Voilà, ensuite cette boîte ramenée par Yamato dans un état exceptionnel. Raphaël, la boîte japonaise de Tournament Fighter, je crois sont très forts. Je crois que Cyber Shredder est pas mal aussi d'ailleurs. Non, c'est quoi ouais, c'est Chrome Cyber Dome. Shredder, Chrome Dome, non Cyber Shredder. Non, c'est Chrome Dome qui est fort, je crois, bref. Et ensuite le reste, bon. Le reste est tout pourri. Je vous rappelle, c'est le premier défi et ça se joue sur Tournament Fighters, enfin qui c'était Mutant Warriors dans sa version Super Famicom japonaise. Ici, ça ramène les vrais jeux et ça taffe la notice. Ken Bogart joue Wingnut, Raphaël Yamato. Je pense que ce match, alors je sais pas pour qui sont les gens, s'ils sont plutôt pour en qui vous croyez plus, pas pour qui vous êtes, mais en qui vous croyez plus. Est-ce que c'est Yamato ou est-ce que c'est Ken Bogart? Alors disons que là, alors pour l'instant, donc le Wingnut, c'est quoi la strat? C'est juste tu campes en fait. Plus ou moins. Bah oui, en fait, c'est juste. Mais en fait, tu sautes et tu fais boule, c'est tout. Tout à fait. Et t'as chop quand même. Hein. Je chop, mais j'ai des trucs, hein, genre ça, tu vois. Pour l'instant, Yamato, qui... je rappelle que c'est un jeu choisi par Yamato, qui a l'infini du bas petit pied. C'est le même que dans Street 2. Waouh, l'infini du bas petit pied pour l'instant. Ken Bogart qui montre qu'il est complètement là sur le jeu, pourtant choisi par Yamato, wow. Avec ses chops et ses R Hadoken. Waouh, il y a la Superman. C'est le même coup que Alex dans Star Strike. Et tu prends le premier round. Yamato, un petit peu débordé, ça va pas du tout. Yamato Sensei qui est vraiment débordé. Pour l'instant, ça croit en Ken Bogart. Hein. Ça, dans ta cave, pour sûr. Il y en a qui savent d'où tu viens. Alors, il y en a qui disent Switch ou Option et go to high speed. Expliquez-leur pourquoi le jeu joue comme ça. Ouais, il y a le. Ou pas. Bah, en fait, déjà, bon, faut savoir que la version japonaise n'est pas la supérieure version. C'est la version américaine, la supérieure version. Il y a des grosses différences entre tous les jeux. Bon, joueur sur Armagon est toujours aussi pété, mais. Il y a quand même des différences assez notables.
Et oui, en effet, je crois qu'on peut changer un peu la vitesse du jeu. Ah, mais c'est ça la vitesse d'origine, donc c'est ça le tournament type en même temps. Ah. Yeah, this is a true spin from the vanilla game, and we need to play with a real speed. Donc, pour l'instant, Ken Bogard, voilà, qui est toujours... Qui maîtrise vraiment le jeu avec ses Tiger Knee. Oh, le Superman, le Eradoken, Superman, un pas Superman. Point, mais il est nul par Yamato. Ah, Yamato qui revient avec les cisailles. Voilà, avec le saut petit pied de Blanca, le saut de karaté avec le passage dans le dos. Yamato qui rate le combo de la gagne. Mais attention, c'est pas terminé. Il se rue à l'attaque. Bas petit pied. Ah, l'entière. 1-0 pour Ken Bogard. Je vous rappelle, c'est en deux gagnants. Yamato, c'est un jeu que tu as choisi. Si oui. tu commences et que tu entames avec un jeu que tu as choisi et une défaite, ça va être problématique pour la suite. Oui, minute. Vous savez que vous avez le même écran de victoire-défaite que dans Street Fighter 2. Hein. Bah, c'est beaucoup inspiré. C'est Konami hein, quand même derrière le jeu. Bah, bien sûr. S'il vous plaît. Donc là, du coup, t'as changé de perso? Non, pas du tout. Ah là là, c'est prise de risque quand même, je trouve un peu. De la part de Yamato qui garde le même perso. Alors est-ce qu'il va avoir une strat éventuellement pour l'instant, alors que Ken Bogard continue de zoner. Boule Superman. Pouf, mais c'est quoi, c'est le chenille inversé? C'est quoi, c'est un bas-pied ou c'est quoi ça, cette toupie maléfique? Le saut, le Superman, le zoning absolument parfait de Ken Bogard. On sait maintenant pourquoi c'est lui qui fait le coffre à Versus. Il maîtrise tous les jeux de la Terre, même ceux choisis par ses adversaires. La chope, évidemment, pour mettre dans le coin. Regarde ce zoning parfait à la frame. Alors que Yamato tente de sauter avec le saut de Hagar pour attraper Ken Bogard. Mais il peut rien faire contre le Delta Plane qui l'empêche de bouger. Passage dans le dos, c'est bien joué. Voilà, splash. Ah, la splash et il remange la chope. Ça va pas du tout pour l'instant pour Yamato qui a vraiment du mal à trouver l'ouverture parce que dès qu'il s'approche de Ken Bogard, il mange la chope. Mais cette maîtrise. Bah, son body press est pas safe donc je chope direct. Il y a des gens qui commandent sérieusement ce match hein, sur le stream. Oui, bien sûr. On demande c'est quoi les diffs avec la version US. Tu pourras expliquer après ta victoire éventuelle si Yamato n'arrive pas à revenir. Alors pour l'instant, ça a l'air compliqué parce que le zoning de Ken Bogard. Voilà, bien joué Yamato qui fait exprès de décaler le light. Bas petit pied. Setup et remange chop. Il essaye tout. Ken Bogard, il a chop et ça tue toute la vie. Mais c'est la même chop que Blanca. Mais oui, ça mord, ça touille la tête. Pour l'instant, c'est quand même compliqué. Allez, Yamato, quand même, pour sauver l'honneur, peut-être prendre un round. Je te rappelle que c'est ton jeu, tu ne peux pas perdre maintenant. Ken Bogard qui semble invincible à pas son jeu. Voilà, encore le Superman, stand point. Pour l'instant, le zoning qui est là, boule. Ça a quand même beaucoup parlé avant. Je sens que ça va mal finir toute cette histoire. Ça va s'attendre à la sortie. Et il est pas mort à Yamato, mais ça sent pas de la gagne quand même. Aïe. Wingnut. Ouh, il s'est passé des choses quand même, chers amis. C'était le match-up que je redoutais le plus. Et pourquoi? Bah parce que justement, Wingnut, c'est super chaud en fait. Pourquoi? Est-ce que tu peux expliquer bah, le keep away du personnage est vraiment fort et effectivement, c'est pas un bon match-up pour Raphaël, clairement. Faut réussir à passer sous les projectiles et comme il a deux trajectoires de merde, il suffit que tu varies un peu et ça fait mal. Ça fait mal. Alors Ken Bogard, tu vois le petit 1 qui s'est affiché, qui signifie que tu as gagné le premier défi. Alors ce qui est drôle, c'est que Yamato a choisi le premier jeu, mais bah en fait, comme il revient de perdre, Yamato, tu as le droit de choisir le deuxième jeu. Oh non, bah, ça va être Ranma, tiens, allez. Mais non. Ah si. D'accord. Ça va être le meilleur pour la fin. Ouais, j'avoue. Bizarrement, tu vois, il va moins fort quand c'est son jeu, tu sais, pour le retirer, bizarrement. Ah, le jeu le plus compliqué à jouer et le plus exigeant à la manette, c'est très clairement Gundam. Hein. Ranma, c'est un jeu plutôt facile à jouer à la manette. C'est exactement comme c'est leur monde en vrai. Tu chain cancel tout, pas, t'es tout qui link. C'est super lent. Pas tant que ça en vrai, le 3. Ah ouais? Le 2, ouais, mais le 3, non, ça va. Alors, Chiquito dit mon poulain qui déroule le premier jeu. Tu étais abandonné par Chiquito Yamato. Tu étais lâché par tout ce stream. C'est dur la vie. Alors que là, voilà. Ah, le Rama 1,5, le troisième, donc sorti sur Super Famicom. Quelqu'un a mis Story là ou je suis pas fou? Ouais, c'est Verdier. On peut appuyer sur Start tous Il les Il me respecte donc. Pas, genre je préfère le CPU. Ça y est, c'est fini. Désolé. Alors, on rebascule
sur Main Game. Je vous rappelle les enjeux, c'est que Yamato choisit son deuxième jeu, il a perdu à son premier choix de jeu. Pour l'instant, Ken Boga réalise un sans faute. Mais pour rappel, Kikun menait 3-0 au premier Retro eSport Club et OZL a fini par gagner 4-0. Ah ouais, ouais, il a tout remonté. Incroyable. Oh. Incroyable, incroyable boulou. Donc ce n'est jamais fait et il ne faut pas trop... Allez, attends, quelqu'un dit « Allez Yamato !» Non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Butera. Il y a du monde pour Yamato quand même. Merci le chat d'être là, merci d'être là aussi nombreux. Merci à Vitality d'accueillir le Retro eSport Club. Tout ça c'est grâce à Ed Chiquito. On est là, on est ensemble ce soir, on est bien. Et qui va gagner la couronne Windjammers? Alors qui joue qui du coup? Moi je joue Ran ma fille. Moi je joue Boken. Donc premier player, Julian Storm. Julian Storm en français, Julian Storm. Non, c'est Kunio en japonais. Kunio c'est ça. Donc ouais. Tu joues Ran ma fille ouais. Et Julian Storm. Non, on dit Julian Storm si vous voulez. J'ai dit Julian Storm. Julian Storm. Alors Ken Bogard, pourquoi Julian Storm? Parce que c'est un personnage que j'ai trouvé stylé et je l'ai toujours joué dans ce jeu à chaque fois que j'ai joué au jeu depuis le Ryokugen. D'accord. Le Ryokugen, je rappelle, un endroit mythique où on pouvait s'entraîner uniquement après avoir passé certaines épreuves. Tout à fait. Fallait prendre le RERB et sortir de Paris était la première épreuve. Fallait marcher dans Massif Palaiso, c'est déjà... Ça, c'était la deuxième épreuve. Grosse épreuve. Bon, et eh ben écoute, on est parti Julian Storm contre Ran ma fille. En vrai, les sprites de ce jeu sont incroyables. Sont trop beaux, trop beaux. Ils sont incroyables. On est parti. Ikkyo, elle est trop bien. Quoi. Julian Storm, ça va très vite. Hein. C'est le Retro eSport Club, la folie entre Yamatiru et Ken Bogard. Ken Bogard qui mène 1-0 alors que ce n'était pas son jeu et c'est stop. Compliqué pour Yamato. Trouver le bon coin dans Massy, qu'elle est du pété à chaque jeu. Ah voilà, ça connaît devant tous les versus. Ken Bogard, Julian non, Storm bah, c'est le verso pété, contre c'est le verso Ranma, pété, c'est Ranma fille. Ranma fille. Alors pour l'instant, alors pourquoi Julian Storm, Ken Bogard? Non mais je te dis, je trouve stylé. Y a pas, cherche pas. Et Ranma fille, bat petit pied. Ouf. Oh là là, il connaît les combos. Oh, il connaît les combos, Yamato. Oh, ça va être plus compliqué là, on sent pour Ken Bogard. Yamato qui a eu deux streams. Regarde le stomp. Non, c'est le dive kick, bat petit pied. Et derrière, les 1000 points, pouvoir enchaîner avec le combo. Ah, ça va être compliqué hein, là, on sent pour Ken Bogard parce que Yamato, il est pas venu tout nu. Il a vraiment taffé Ranma fille. Bat petit pied, dive kick, bat petit pied, stand petit pied, 1000 pieds, oh là 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 là. Le haut niveau de Ranma 3 Super Famicom, vous n'avez jamais vu ça, notamment chez Vitality. Est-ce que ça, c'est pas mieux que League of Legends? Et Yamato qui se venge, qui prend le premier round de manière assez convaincante. Et voilà, dédicace à Game Spirit. Oui, c'est vrai, en ce moment, on pense à très fort au magasin Game Spirit de Lyon qui a subi un petit dégât des eaux. Et on leur souhaite bon courage. Oh putain, la roulade pour aller en dessus. Et c'est parti, encore le dev kick. Ken Bogard qui est complètement tétanisé avec son joli nu et le bambou. Là, il peut pas faire grand-chose. Voilà, allez, la boule qui est trouvée, la boule, la Jubei. C'est un genre de Jubei de Samurai Spirit, finalement, ça a du sens tout ça. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, pour l'instant, Ken Bogard qui retrouve un peu son zoning et qui prend l'avantage sur Ranma fille de Yamato. Dive kick, oh, c'est parfait. Le combo, oh là 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 là. Oh, Mitty, ça touche. Parfait. Yamato, pour l'instant, totalement invincible. Le meilleur Ranma fille. Est-ce que c'est le meilleur joueur du monde sur ce jeu? Évidemment, il est en train de le prouver. Le champion du monde de Ranma 3 Super Famicom. Mais le Julian Storm est complètement là. Ce zonic de Ken Bogard qui prend le round. Mais comment t'as pu laisser faire ça? Ah, c'est pas simple. Hein. Je connais pas le verre. C'est... compliqué. Alors, pour l'instant, il a dit je connais pas le versus. En même temps, avec ce perso, est-ce que t'as d'autres... Regarde, dive, passage dans le dos. Magnifique. Le combo, le full combo qui est trouvé par Yamato entière. Oh, il a un dragon, Julian Storm. C'est le dragon, tu sais, dans Granblue. C'est le même. Complètement. Hein. Le dragon de Charlotteau de Granblue Fantasy. Un super jeu d'ailleurs. Et pour l'instant, voilà. Le dragon, c'est punition évidemment du dragon. Attention, oh, c'est magnifique. Oh, la face que vient de faire Yamato. Il rate un petit peu son combo, c'est dommage. Ouais. Mais de manière convaincante. Il y a un truc dans le jeu, quand tu fais après le dive kick, des fois le jeu ralentit et du coup tu rates ton timing pour chain les Baelka. Il y a des stages d'ailleurs où ça lag plus que d'autres aussi. Wow. Donc, le jeu est génial. Faut prendre The Grid. Mais la technique, ah bah non, il n'y a pas en fait. Mais la technique ne suit pas. Exactement.
Mon petit Yamato, je pour l'instant, je rappelle couleur. Que ça se joue en FT2 et alors Ken Bogart, tu counterpick. Non non, je counterpick la couleur. La couleur. Ah compte. Mais tu bah oui mais ça compte. Ça compte. Ça compte counterpick couleur. Je sais pas si c'est autorisé d'ailleurs. Attends, je veux que j'aille consulter la règle. J'ai perdu. Vas-y, consulter les règles. Je peux quand même changer la couleur. Alors si j'ai perdu. Pour l'instant, ça se joue au stage. Alors du coup, est-ce que c'est vous croyez que c'est New York ou est-ce que c'est Tokyo avec la réplique petite de la Statue de la Liberté? C'est une vraie question. C'est une vraie question, bravo. Voilà, en tout cas, pour l'instant, Ranma, je pense que c'est peut-être Tokyo, hein. Pour l'instant, la Ranma intestable de Yamato qui a aussi counterpick couleur alors qu'il avait gagné pourtant. Voilà, allez, c'est parti. Oh, ce Dragonz, le même Dragonz que dans Grand Blue ou que dans Last Blade. Ah, c'est magnifique, hein, le Mitty. Encore ce dive kick. Mais c'est Yoon! Mais Yoon! Maintenant, on sait d'où Sir Strike a copié toute la méta de Yoon. C'était évidemment de Ranma fille dans Ranma 3, Super Famicom. Bah, petit pied. Ken Bogart, voilà, qui touille Mante avec le bâton de berger. Le bâton de berger. Oh, oh, c'est, un... oh c'est un casse-garde de masse. C'est un casse-garde. Solide. solide. Exact, il y a les Twin Towers, c'est bien vu. C'est Neo Tokyo. C'est ça. C'est vrai, j'avais pas vu les Twins. Bien vu. Oh, c'est magnifique, ce vol de round. Magnifique, je pense que je sais pas si le monde est prêt pour ça. Je remercie vraiment Chiquito, la chaîne Vitality, de permettre de montrer ce que c'est finalement le véritable e-sport. Pour l'instant, en tout cas, Ken Bogart, c'est pas son jeu, il se défend très bien, Yamato a l'avantage, mais il a été surpris par ses attaques. Pas magnifique, hein, le passage dans le dos. Regardez les setups ultra travaillés de Yamato, devant, derrière, sur la revée. Ah, c'est parfait, là. Non punition du dragon, on voit qu'il connaît pas très bien le match-up, hein, dans ta cave. Ah, le zoning de parfait de Ken Bogart qui ne touche même plus à la croix. Voilà pour l'instant le pressing. Oh, le pressing de Ken Bogart qui se lance avec la boule. Regardez le Hadoken trap hérité de Street 2 et Yamato. Il y a ça dans quoi? Dans le perso qui roule et qui met un coup de pied comme c'est ça. En fait, t'as deux coups spéciaux avec. Non, mais c'est les dans deux... quel jeu il y a ça aussi? Ton perso roule, il met un petit coup de pied comme ça. T'as deux dash attaques dans ce jeu. Je sais plus. Il cherche la référence. Il ouais, y a un jeu comme ça. Voilà, en tout cas, le combat homérique, pour l'instant, je vous rappelle que Ken Bogart mène un défi à zéro, et il y a quoi? Il y a un round partout, il faut absolument que Yamato, faut qu'il se reprenne tout de suite. Oh, le bloc de Ken Bogart qui bloque le dive kick cross-up, je vous rappelle, c'est le plus haut niveau mondial sur un mois et demi. Celui qui gagne ce match est le meilleur joueur du monde, vu qu'il n'y en a que deux, et ils sont là. Et pour l'instant, voilà, oh, c'est magnifique, le reset, le standard kick de Ryu pour empêcher Ken Bogart de bouger. Voilà, ça. Bien joué. Pas gros point de bloc, ah. Et Yamato, magnifique, hein, on peut le dire, hein, qui finalement superbe. Revient hein, partout. Est-ce que tu t'es fait un peu surprendre là, Ken Bogart? Est-ce que tu t'attendais à un tel niveau? Je ne m'attendais pas à prendre un 50%, je dois bien t'avouer, même si je savais que c'était possible. Un 50% pouvait arriver. Et, après, honnêtement, arrivé. Le jeu est vraiment pas dur à prendre en main. Enfin, franchement, si vous voulez un bon jeu de baston facile à maîtriser pour jouer avec vos potes. Tiens, montre un peu la boîte et tout pour que les gens ne gourent pas du tout. Si le plein, problème, c'est que toutes les boîtes des jeux de baston Ranma sont rouges. Chez nous, c'est le Hard Battle. Non, c'est pas le Hard Battle justement. T'es sûr? Ouais, c'est Hard Battle chez nous, non? Non, Hard Battle c'est le 2 et ça c'est le 3, c'est le tout dernier. Le Hard Battle c'est celui avec le perso qui dirait un roi des jeux de cartes là. Ah oui, c'est vrai. C'est pas le Hard Battle celui-là. Tout le monde en dit le Hard Battle c'est le meilleur, mais non, c'est le 3 le meilleur. Oui, c'est ça celui-là qu'il faut. Et jouer. C'est malheureusement celui qui n'est pas sorti en Europe et aux US. Ah, c'est vrai qu'il est qu'au Japon. Et ouais. Et il est pas cher du tout, hein. Franchement. Non, il est pas cher. Sur eBay, tu peux le trouver à 30 ou 40 balles en boîte. Oui. Et vraiment, il est très fou, il est très cool. Là, les combos, c'est vraiment pas dur à sortir et tout. Ça rappelle un peu Breakers Revenge d'ailleurs, avec les normaux de qui ouf. Tous entre eux et tout. De ouf. Yamato. Ouais. L'heure est grave. Bah déjà, j'ai perdu sur mon revenu à un partout, c'est très bien joué. Mais maintenant, c'est Ken Bogart qui va pouvoir choisir son jeu. De quoi s'agit-il? Qu'il s'agit donc... Je vais choisir Matsumura Kuni Roden. Aïe. Faut qu'on montre ce jeu au monde. Il commence directement par touiller. Le monde doit la savoir. Cartouche. L'esprit de tonton est en toi. Le premier jeu. Savoir.
Les autres, c'est des vrais jeux, donc en vrai, on s'en fout un peu. Alors, je vous rappelle que dans cette émission, nous ne jouons que sur des jeux originaux que doivent rapporter les joueurs pour défier les autres sur leur jeu. Sinon, vous ne pouvez pas y jouer, c'est ça le... Il a une forte probabilité de ne pas se lancer, hein, ce qui est la marque des vrais jeux. Oh, hein, putain, il se lance. Du premier coup, incroyable. Alors non, ça, mais... ça, c'est très 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 mauvais signe, hein, je vous le dis tout de suite. La Super Famicom de Horizon, elle est arcade parfaite. Alors, il faut savoir que c'est une Super Famicom, évidemment, qui a été... qui est capable de tout lire, qui est mode. Oh, et avec, j'ai envie de vomir. Avec un bypass RGB, tu sais, pour avoir, ouais, la puce de la One Chip. Avec le One Chip, ouais. C'est une One Chip en fait. C'est une One Chip, c'est une One Chip avec bypass RGB. Alors, toutes les Super Famicom ont un One Chip ou pas? Non, non, hein, pas du tout. Il y a, voilà, certains modèles qui sont One Chip, faut les trouver. Et en fait, pour avoir le vrai bypass RGB, il faut que ce soit une One Chip. Sinon, tu peux pas avoir le meilleur signal. Il faut acheter une Junior. Je demande la notice, moi aussi. Bien sûr, voilà, bien sûr, hein, prends la notice, hein, je t'en prie. De toute façon, ouais, c'est des coups assez tu classiques. Tu peux tout regarder, il y a. En fait, il y a rien à faire. Alors, Ken Bogard, toi tu t'es entraîné, mais Yamato ne s'est pas entraîné au jeu. Comment va-t-il? Alors, je te rappelle, Ken, tu as tué Yamato à son jeu, au jeu des Tortues Ninja. Est-ce que Yamato peut te tuer à ton jeu sans jamais y avoir joué? Vous êtes actuellement à un partout. Mais c'est même pas un jeu, enfin, quand il va voir ça, c'est même pas un jeu. En fait, je crois que dans ce jeu, à chaque fois qu'on a fait un match dans ce jeu, celui qui a gagné n'a pas compris ni pourquoi, ni comment. C'est même pas un jeu, en fait. Donc on a quand même du free battle ou un team battle. Le jeu permet le team battle. Je tiens quand même à le préciser. Donc, man versus man. Ah, tu peux mettre le CPU en player 1 ou player 2. De genre... CPU comme tu donc, veux. C'est... En P1, tu prends qui, Ken? C'est la liberté. Moi, oh, il y a tonton. Je vais prendre Chinese Guy. Voilà. Attends, hein, mais t'es qui là? T'es où là? Moi, je suis. Je sais même pas où t'es. T'es à droite ou à gauche? À gauche, non, je suis player 1. Hein. T'es player 1, donc tu prends tonton. Attends, moi, c'est bien je celle-là. C'est karaté. Je prends un peu monsieur karaté. C'est karaté. C'est totalement karaté. Il a un bonnet, il a quelque chose. Eh, mais il y a Ono. Il y a Ono, oh, ils sont tous là. Tu prends qui Elle est où là, la catcheuse? Je la vois pas dans l'écran. Alors attends, la catcheuse là. Joshi Pro, elle ouais, est... c'est tout en haut en fait. T'es sûr? Elle a, ouais, pas la même coupe de cheveux. Non, mais c'est normal, c'est parce que c'est Matsumura qui. Ah, c'est toujours Matsumura. C'est Matsumura qui incarne les personnages qui existent. Ça dit, faut prendre le verre. Ça dit, faut prendre le verre. Tu prends qui? Moi, je vais prendre Kunoichi, moi. Je vais prendre Matsumoto en version. Je ne sais même pas. Alors, je sais pas qui s'est passé. Hein. Alors là, c'est un match, deux matchs. Donc, on pourrait déjà régler en plusieurs matchs gagnants. Ah, vois. C'est stylé. Bah, Esport Ready. Esport Ready. Matsumura, par exemple. Ready. Donc, ça, Ken, c'est ton jeu, c'est ton choix, c'est de ta faute. C'est de ma faute, désolé pour ce que vous allez voir. Donc, en fait, tu joues karaté, Slim Karaté en P1 contre. Je sais pas quoi. Contre Yamato. C'est quand même très spécial. Alors au niveau du gameplay, Yamato. Mais c'est complètement schnapsé, c'est infâme. C'est quoi les sensations, Yamato? Oh oui, il connaît la phase du bol. C'est invincible. Et tu peux rien faire. Et il envoie des bols de ramen. Ouah, qu'est-ce que va pouvoir faire Yamato contre les strats évolués de Ken Bogard? Yamato, faut que tu trouves les coups spéciaux. Hein, sinon, ça va être compliqué. Tu joues de la flûte. Ou non, tu bois de l'alcool. Oh là là, Yamato qui a quand même des setups. Hein. On sent les setups. Je comprends rien à ce qui se passe, je suis désolé. Nuage magique, disque laser de Dorothée, Yamato qui campe, hein, qui connaît un peu le zoning du perso, la tête tourbillonnante, ça c'est le nom de l'attaque. Voilà, nuage magique, bombe, ça permet de varier. Pendant que les ramen de Akita Shoten sont toujours envoyés par Ken Bogard, voilà, pff, le coup du bol, le bol savant, pff, il est en difficulté quand même. Mais en fait, j'ai l'impression qu'Yamato il a plus de vie, ça je comprends pas. Ouais. Allez! Bien joué! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas! C'est un peu comme dans Fatal Fury Special, t'as un deuxième plan que tu peux utiliser. Comment on va sur le deuxième plan? Mais y'a que toi qui as mis des coups, pourquoi il gagne? Mais parce qu'il a évité tous mes ramen! Mais oui, mais. Rien, moi, il est fort! Mais. Mais c'est ton jeu, Ken, il n'y a jamais joué, t'es pas censé perdre. Mais les hitbox sont tellement à la piste. Je cherche pas des excuses de ça. Oh, il a le dive kick tourbillonnant de l'ordre infernal. Regarde, ça ne touche pas. Regarde, oh, le genou, c'est le même genou que c'est le mid kick de Alex dans Surstrike. Voilà, zoning de Yamato. Regarde, Yamato qui maîtrise le Korean Wave Dash. T'as vu? Korean Wave Dash. Putain, au pad Super Famicom, si vous pouvez. Là, vous voyez un petit peu la manette de Yamato, hein, sur l'écran du haut, c'est hyper impressionnant. Ce qui fait le joueur dans ta cave, Goju Team, regarde, dev kick invisible, kick, ça c'est le kick de Seizo. Tu restes dans le coin, on te dit. Pour l'instant, Ken Bogard est totalement dépassé parce qu'il est en train de se passer bol de ramen, mais Yamato qui connaît les esquives et les Korean Wave Dash de Tekken, qui l'utilise à merveille dans ce jeu dont je n'arrive même pas à redire le nom. Allez, oh, là, 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 là. Il a regagné de la vie. Et le Pipo, ça regagne de la vie. Il a pris le bon perso.
Mais c'est infâme ce jeu, mais comment tu peux venir dire. Mais dis rien, tu fais des Korean Wave Dash sur Super Famicom. Fais genre, tu sais, fais genre. Montre aux gens la technique, montre aux gens la technique à l'écran. Tu montes un peu ton pad là. Bon, contre-choix ou pas contre-choix, qu'est-ce qu'on peut s'en sortir? 1-0 pour Yamato. Tout pitre FPS. Non, ce jeu est incroyable, hein, mais vraiment. Mais d'ailleurs, attends, on m'appelle. Attends, c'est Chiquito de Vitality. Il me dit, est-ce que vous voulez ouvrir une team e-sport sur ce jeu chez Vitality pour participer au championnat du monde? Oh là là, Chiquito est prêt à vous proposer un contrat en or. Voilà. Pourquoi c'est pas les vôtres? Alors là, c'est quoi? C'est la version Loubar Ken qui a Counterpick. Ouais, mais qu'est-ce qu'il peut faire contre la version gym suédoise de Yamato Korean Web Dash? Alors, Ken qui a pris la version Marty McFly, hein, le skateboard, Marty McFly. Je comprends rien à ce qui se passe. Mais. Mais pourquoi la tête elle bouge? Mais il est stun, c'est pour ça. Ça c'est le stun. Et pourquoi elle tape dans ses mains? Fais quelque chose Yamato, te fais pas rouler dessus. Voilà, wave dash. Yamato qui revient à l'attaque avec le kick. Et finalement Yamato qui perd. Oh là là, mais quel enfer. Oh, c'est dur. Putain, c'est dur là, franchement là c'est dur. Mais je pense que personne ne sait même pour pourquoi moi, c'est il gagne ou pourquoi il perd. Et je comprends rien au hitbox. Au coup, ça n'a aucun putain de sens. Il n'y a rien à de sens. Que Ken Bogard. Moi, je fais du skateboard. Hein. Est-ce que c'est pas mieux que Tonio que ce Pro Skater Remix PS5? Yamato, là, je sens que tu rates tes Korean Wave Dash. Est-ce que tu as été un peu décontenancé par la technique évoluée de Ken Bogard? Je te rappelle que c'est essentiel de gagner ce défi pour rattraper le break qui t'a fait sur ton jeu. Tu as perdu le service d'entrée du jeu. Ça a l'air compliqué, la technique de Ken, c'est de rendre fou son adversaire. Tonio qui a topé ce perso. Mais c'est évident. Je rappelle que c'est quand même ça, hein, le véritable e-sport du Retro e-sport club. On se prend quand même très au sérieux. Et je peux vous dire que Ken, il s'est entraîné parce que ce counter pick, moi, je l'aurais jamais osé sortir en stream. C'est une preuve de non-respect pour son adversaire. Dev kick. Attention, Yamato qui revient bien. Qui esquive. Le point du dragon. King of the Iron Fist. Ça se joue beaucoup de choses. Sont jouées sur ce round. C'est très très serré. Yes! Yes! Qui a gagné? Yes! C'est moi, Yamato. J'ai pas compris comment, mais il a gagné. Si Yamato remporte ce round, il mène maintenant 2-1, alors que Ken Bogard avait fait le break d'entrée de jeu. Ce qui se passe dans cette émission devant 24 000 viewers, je pense que c'est la folie. Hein. Ah! Chiquito me dit tu vas perdre ton contrat, Ken Bogard. T'as failli rentrer chez Vitality et t'es en train de tout foutre en l'air. Et je pense que ça, ce n'est pas acceptable. J'attends tout ce que je peux. Oh, il y a eu un petit épaule, hein. Coup d'épaule, boule rush. Il n'y a pas de garde. C'est absolument fou. Ce que vous voyez sur le screen. Il n'y a pas de garde. Pour la première fois qu'il joue au jeu, maîtrise l'infini. Heureusement, il rate son cancel. Ce qui permet à Ken Bogard d'utiliser le just frame du skateboard pour revenir dans ce match. Attention, encore une fois, l'infini. Le de Yamato. Dans le coin, oui, j'ai vu le gars du 61. Bien joué. Et pourtant, là, j'ai pas eu le pipeau. Hein. Oh, putain. Le skate, et le skate, y a pas de garde en vrai. Non, y a pas. J'étais là, je mets ma garde sur le skate. C'est un chopap, c'est craqué. J'avoue, le petit bourg-presse, là, t'es dans les côtes, là. T'as tout gagné, t'as fait le coup, tu gagnes. Qu'est-ce qui s'est passé, Ken, là? Y a pas de garde, donc quand il me faisait les coups en meeting... C'était bien de me le dire, ça, petit En salopin. Fait, y a pas de coup qui Mais fait le contraire, en fait. Je te rappelle, Ken Bogard, le roi du versus, le copain versus, Johan Verdier, le meilleur commentateur du monde. Je te rappelle que c'est ton jeu que tu as raté, auquel il n'a jamais joué. Il faut savoir, je vais vous expliquer un petit truc. Non. Normalement, non, on veut pas savoir. Normalement, le perso qui envoyait des ramen était le meilleur perso du jeu. Mais il faut savoir que ce jeu est tellement maléfique qu'il se patche lui-même quand il reste dans sa boîte. Et les propriétés des coups changent à chaque fois que tu relances le jeu. Ainsi, tu n'as jamais la même version. Mais qu'est-ce que tu... J'ai gagné la cube, voilà. Merci beaucoup à SNK pour cette émission. Je suis très content d'avoir participé. Je vais rentrer chez moi maintenant. Tu n'as jamais la même version du jeu quand tu joues. Regardez-le, regardez cette beauté, cette merveille. Elle est incroyable. Ah, j'avoue, elle est incroyable. Je sais pas ce qu'il fait avec ça là. J'ai envie de la bichonner, de la frotter avec des lingettes nettoyantes pour qu'elle brille. Ne sois pas
trop heureux tout de suite, Yamato. Je te rappelle que ce n'est pas terminé. Ken Bogard, quel jeu choisis-tu? On va jouer à Sailor Moon S. Ah, ah ça y est. Là, t'as plus le choix, t'es obligé de sortir les vrais jeux. Ah, je suis obligé de sortir des jeux sur lesquels il y a Sailor la guerre. Sailor Moon S, il y en a eu plusieurs. En quoi ce jeu est exceptionnel? En quoi c'est la meilleure version sur Super Famicom? Ah, bah, tout simplement, hein, c'est Angel qui a développé un jeu qui s'inspire ni plus ni moins que Street Fighter. Ils ont voulu faire très simple avec les capacités de la Super Famicom et ils ont appliqué un système de jeu qui fonctionne ultra bien. Le jeu a, est probablement un des jeux de combat les plus fluides que la Super Famicom n'a jamais connu. On approche les faussements 60 FPS, sans tous les jeux sont 60 FPS. Mais le jeu qu'on lance... Gundam, en tout cas, il n'est pas en 60 FPS. Gundam, il n'est pas en 60 FPS. Mais c'est un des jeux les plus fluides et c'est ce qui fait que c'est un des jeux les plus agréables à jouer. En même temps, je suis peut-être un peu médisant, mais c'est pas le jeu le plus fouillé graphiquement de la console. Bah non, mais t'es obligé si tu veux que ce soit fluide. Et en vrai, le jeu marche trop bien. T'as un mode versus, un mode entraînement, un mode histoire. Tu préfères pas la version 3DO, par exemple? Ah, la version 3DO, elle est dégueulasse. J'ai vomi dans ma bouche En CGI. Quand on l'a testé là? Ouais, CGI. Quand on a fait le prototype de cette émission d'ailleurs. Si après tu veux, on y joue. Hein. C'est un de mes meilleurs clips sur ma chaîne Twitch, c'est Tonton qui bourre sur Shin Butoden pendant cette émission du Guac. Terrible. Oh non. Non. Alors attends, on lance le bon écran. Je vous rappelle que, alors que Ken Verdier avait fait le break d'entrée sur Yamato, sur le jeu de Yamato, derrière Yamato, des breaks, et mène maintenant 2-1 sur le jeu de Ken Bogard que Yamato n'avait jamais touché de sa vie et qui bizarrement était patché dans sa boîte avant d'être c'est un jeu mystique. Un patch offline. C'est un jeu mystique. Hein. Un c'est patch vraiment... offline. Un jeu mystique. Alors du coup, dans ce Sailor Moon, Ken Bogard, qui joues-tu et qui va jouer Yamato? Bah, je joue Neptune, mais visiblement Yamato joue pareil, Neptune. Sérieux, vous allez faire un mirror? C'est possible. Ouais. Bah ouais, c'est le perso merci. Que j'ai fait. Non mais c'est utile les gars. Bah c'est le top tiers hein, avec... On joue sa vie. C'est qui le top tiers d'ailleurs? Le top tiers c'est Uranus. Oui c'est ça, LCL et la chose spéciale. La chose spéciale, dash avant. C'est la seule à avoir un dash avant. Alors donc player 1 Ken Bogard qui est en vert et en bleu Yamato, c'est ça hein? Tout à fait. Alors pour l'instant Ken Bogard qui a vraiment traîné un jeu. Oh là là, il a les vrais combos, ça va être compliqué quand même pour Yamato. Parce que Ken Bogard, c'est un dragon ça, il a un dragon. Ouais, il a un dragon. Oh là 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 là. Avec la boule derrière pour évidemment aller taper en Mitty. Pour l'instant ça joue très serré. C'est peut-être le jeu parce que qui va faire le tournant. C'est vraiment le jeu de Ken Bogard qui a gagné de multiples tournois. C'est le champion du monde officiel et qui écrase Yamato sur ce projet. Je pense qu'il le connaît très bien et moi j'ai pas beaucoup joué. Ça va être compliqué Yamato quand même, hein. J'ai l'impression là. T'as Sailor Neptune, ça va être... Ah, il a un dragon, c'est bon. Mais Ken Bogard qui lui renvoie son dragon, bas petit pied, et le Link un peu raté, sa dragonne du côté d'Yamato qui continue de se ruer à l'attaque, hein, qui... Stratégie assez sans balle qui consiste à faire dragon, punition dragon sur dragon bloqué, pas dragon, dragon. Ah, Yamato qui a compris le jeu quelque part, qui punit dragon, pas dragon. C'est sérieux? C'est le meilleur jeu! Check du coude. Bon, désolé pour ça, les gars. C'est vraiment. Si demain je suis viré de Vitality, je sais à quoi ce sera dû. Pour l'instant, en tout cas, Yamato qui, de manière surprenante, résiste à Ken Bogard alors que Ken Bogard est le champion du monde entier. Est-ce que on assisterait à un nouveau upset? Ça serait quand même incroyable hein, que Yamato gagne sur le jeu de Ken Bogard, mais ça semble mal parti. Sous-zoning parfait, voilà, boule dragon, cette maîtrise, on sent l'homme qui maîtrise Street Fighter, le meilleur joueur du monde de Sailor Neptune. Allez, Yamato qui zone au bas petit pied, mais non, tu peux pas sauter, il a un dragon, ça sert à rien. La boule qui tape Mitty sur la relevée, bien évidemment. La boule qui tape Mitty, boule, voilà Yamato. Ouais, pourquoi il est crevé? J'ai pas mis les gardes. Je vais changer de strat. C'est ma seule chance. C'est mais oui, je pense qu'il connaît... Magique. Bizarrement, il connaît bien le versus. Hein, c'est... Bah en même temps... Mais c'est un perso qui est très fort, hein, vraiment, Neptune. On me dit, Fortnite, c'est mieux. Ah, je suis pas sûr. Hein. Non, vraiment, aïe. Ouais. Mars. Ouais, très bon choix. Et ça c'est leur Mars. C'est leur Mars et ça repart. Ouais, ça attaque. Mars. Ah oui, Mars attaque, très bon choix. Ouais. T'es bon. Ah ouais, pas mal. Tu devrais écrire des scénarios.
Mais tu sais que streamer, c'est un métier, tu vois, donc je peux vous apprendre, hein, les gars, c'est comme vous voulez. Voilà, la Mars de Yamato, oh là 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 là, avec le crochet furtif, on dirait qu'elle s'assoit pour comme si elle était sur les toilettes, tu sais, quand il part en bas, c'est un peu bizarre, cette position, c'est le Scato Move, Scato Ken, voilà, mais pour l'instant... Belle résistance de Yamato, mais qui s'incline devant Ken Bogard, qui peut revenir à deux partout. Ça sent tigré dans la... Mais par contre, la BO, elle a pas... La BO est pas transcendante. La BO, mais si, elle est... c'est même la transistance, quelque part. Voilà, le Scato Ken. Le zoning parfait, quand même, de Yamato, mais... Il connaît tellement bien le jeu, Ken Bogard. Qu'est-ce que c'est difficile? What is difficulty dire? Qu'est-ce que c'est complicado? Pour l'instant, le dragon qui passe dans le vide, la chope pour remettre dans le coin. Ken Bogard, zoning parfait, tu vois, il recule pour trouver la bonne distance. Et là, voilà, le Scato Ken parfaitement timé de Yamato. Scato Ken encore. Le dragon qui passe dans le vide, mais qui n'est pas puni par Yamato. La chope de la baffe ancestrale, aka karaté de Coff 13. Pour l'instant, Scato Ken, c'est dans la garde, boule, c'est dans la garde. Le petit oiseau, le Scato Ken, et Yamato qui prend un round. Tu fais genre, ouais, je sais, t'inquiète, je vais le dire. Ça va être compliqué, hein, Ken Bogard, hein, si tu commences à te dominer sur ton jeu. Ça peut être quand même difficile, mais Yamato... Allez, ouais, Ken Bogard, là, il est sérieux. Ken Bogard, là, il est passé sérieux. Je vous rappelle, il ne va pas se laisser plus savoir que ça. Le zoning parfait de l'homme de le stream, hein, on le rappelle. Également, la chaîne Ken Bogard, le plus grand streamer de tous les temps, le Red Bull Comité et des tas d'autres tournois. Il est en train de montrer que c'est lui le patron. Sailor Moon S Super Famicom. Double dragon Ken Turbo de... Hommage à Ken Turbo. Bah, c'est le dragon de Ken Turbo. Hein. C'est le dragon de Ken Turbo, carrément. Alors, pour qu'on explique aux gens, quand on a une allusion et qu'on dit par exemple le dragon de Ken Turbo, est-ce que vous pouvez décoder pour les gens qui regardent quand même et expliquer un peu ce que ça veut dire le dragon de Ken Turbo? T'es plus joueur de Ken que moi, Yamato. Eh bien, c'est le perso Ken de Ken et Ryu dans Street Fighter. Et dans Street Fighter, donc il y a plusieurs versions. Il y a Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 2 Champion Edition. Et en fait, le dragon de Ken dans Street Fighter 2 Turbo est son meilleur dragon, clairement. Son Shoryuken. Voilà, et donc tu peux en mettre un et t'en remets un derrière. C'est ça la magie. Alors, quand même, est-ce que tu peux remontrer cette magnifique boîte pour les gens que ça intéresserait? Quand même, ce magnifique jeu. Ce jeu, Sailor Moon S. Bisojo, c'est génial. Sailor Moon S, qui a connu une version 2, donc Super S. Sailor Moon Super mais S. Mais comment bien? Il y a un perso en plus, mais deux persos en plus. Mais ça, c'est un truc à... En fait, je me suis... Il est moins bien? Non, non, en fait, c'est une version patchée, faite par des fans, en fait. Ah, il y a une vraie version Super avec un S. Parce qu'il y a Super S qui a été corrige les ralentissements du jeu, il corrige plein de trucs aussi, il rajoute des couleurs. Ouais. Comme TMNT, en fait, il y a une version modée par les fans. L'heure est grave, puisque nous sommes maintenant à deux partout. Ouais. Chaque joueur s'est fait break, chaque joueur a des breaks. Maintenant, Yamato, c'est à toi. Et tu sors ton troisième jeu. Ma botte secrète. Gundam. Ma botte secrète. Wing. Voilà. Ah, c'est chaud là. Un jeu magnifique, si vous ne connaissez pas. C'est un jeu absolument fort. Montre bien à la cam un petit peu cette magnifique cartouche, cette magnifique boîte. Et c'est un magnifique jeu que vous allez découvrir dans quelques instants. Tiens, vas-y, passe. Ouais, je pense que ça sera mieux pour ta caméra. C'est allumé ou... Et là, j'allume. Et on va laisser l'intro parce que la musique, elle est trop stylée. Hein. Voilà. Ah non, attends, je mets gros de cam. Du. Le Endless Duel. Alors, je rappelle Gundam Wing, qui était le Gundam qui passait vraiment à la télé RTL. Ils sont à 5 5 courageux guerriers. Regardé Gundam, tout le monde a regardé Gundam Wing. 5 jeunes et courageux guerriers. Voilà, magnifique jeu. Aux commandes de leur armure mobile, musique. Gundam. Ils luttent pour établir la paix sur la planète Terre. Dans leur lutte, ils sont accompagnés par Relena. Mais c'est cool, on l'a eu cet animé chez nous. C'est ce que je viens de dire, tu m'écoutes pas. La saison 2 n'a jamais été diffusée sur M6, il fallait aller sur Fun TV pour la regarder. Alors, je vous rappelle quelque chose d'important. Vous êtes à 2 partout. Mais là, c'est ton jeu Yamato. Donc toi, tu dois passer à 3 en théorie. Si tu te fais prendre un 3 là-dessus, ça va être très compliqué. Puisque tu n'auras plus de jeu à toi et que ça sera forcément un jeu à Ken. Ce sera forcément Fighters. Bah oui. Donc tu es obligé de gagner là pour avoir une chance d'être à 3 partout et d'arriver jusqu'au duel final. Exactement. Voilà, bah donc voilà, c'est juste maintenant ou jamais, quoi. Allez. Allez. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette intro. Attends, vas-y.
Merci. Les bâtards. La SNK qui n'est plus qu'un invité sur une chaîne annexe de Ken qui ne l'écoute pas. T'es une chaîne annexe de Vitality. Ken Bouga. Ah, okay, oui, je joue comme ça. Alors, qui joue qui attends. Moi, je joue Death Scythe. Death Scythe, c'est craqué. Bah, il se téléporte en fait dans ses dashs. Et il a des petites phases sympathiques. Il a des petites phases sympathiques. Ça va être très dur. Ok, et le Mercurius, et ça il est craqué aussi. Regarde pas le la Mercurius notice. Mercurius est là. Fort, mais il est très dur à jouer. Ça regarde la notice. Ken Bogard. Je pense que dans les top tiers, le top tiers c'est le Epion, c'est le robot caché. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est le robot du mec, c'est le même pilote que le robot blanc qui est lui le bottom tier. Et du coup, c'est marrant parce qu'il est le pilote, il est tout en haut de la tier list et tout en bas. Donc là, service à suivre. Le Death Sight est très fort, le Shenlong est très fort, le Wing normal est très fort, le Mercurius est très fort, après le reste ils sont... Bah tu joues qui là? Le plus pourri c'est le Heavy Arms, celui qui est en haut à gauche. Bah tu vas jouer qui du coup? J'en ai aucune idée. Shenlong c'est un choix solide. Je joue Ryu. Tu joues Wing? Je joue Ryu. Tu joues le Wing normal? On va voir. Pas bien quoi. Alors qui joue Donc Ken Bogard, toi tu as pris le Wing, et Yamato c'est lequel le tien? C'est le Death Sight. Le Death Sight. Alors le Wing de Ken Bogard contre le Death Sight de Yamato, et on va voir tout de suite pour Ken Bogard, il a l'air de connaître hein, quand même Yamato, qui a l'air de connaître aussi. Regardez ce jeu, oui il tourne sur Super Famicom, ce n'est pas un jeu d'arcade, ce n'est pas un jeu Neo Geo. On comprend presque tu sais Cyberbots sur ses PS2 ouais, de Capcom, mais pourtant c'est bien un jeu Super Famicom, et il est très beau, un peu encore mieux que Power Rangers, et le jeu est fantastique. Et pour l'instant, on voit que Yamato, il domine. Il maîtrise quand même le jeu avec son Dead Side. Mais Ken Bogard connaît quand même très, 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 très bien le jeu. C'est un match peut-être un des plus serrés. Oh, c'était quoi ça? La super. Waouh, il y a des super. Mais le jeu, il est complètement craqué. Le zoning parfait de Ken Bogard alors que Yamato est en difficulté alors que c'est son jeu. Pourquoi personne gagne sur son jeu? Mais c'est quoi ça? C'est ça super aussi. Mais dans le vide. Oui. Ouais. Mais dans le vide. Mais dans le vide. Et premier round pour Ken Bogard. Ah, ça commence à ne sentir pas. Très très bon. C'est l'épilepsie à l'écran, ouais, clairement. Pour ouais, Yamato, bah y a des change défis. Pas de sujet, ça sent pas très bon pour toi. Hein. Allez, pour l'instant, c'est bien joué. Et Ken Bogard qui maîtrise vraiment avec la chope. Voilà, la chope qui est trouvée, le passage pas dans le dos. Et pendant ce temps, Karaté qui appelle et qui a toujours pas compris qu'on était en direct. Oh, voilà, voilà. Alors, pour l'instant. Pour l'instant, l'attaque de... Et c'est Ken... Non, c'est Yamato qui revient à l'attaque, qui mange le dragon, la TP qui a servi à rien. Et premier match, ça fait mal, ça commence à être chaud pour ma gueule. Ça fait mal. Mais le Wing est très facile à jouer et très puissant. Ouais, bah c'est pour ça que je l'ai pris. Hein. Vraiment, c'est... Parce que c'est boule dragon, c'est Ryu. Hein. Ok. Yamato. T'es condamné à gagner, sinon ce sera très compliqué de revenir derrière. Tu ne peux pas laisser Ken Bogard mener 3-2. Ça serait vraiment la fin des temps. En plus, sur ton jeu, toi, le fan de Gundam, tu as dit c'est ton jeu. Ken Bogard, il n'a même pas le jeu. Et Ken Bogard qui tout de suite prend le dessus sur Yamato en vraiment grosse difficulté avec son Death Sight. Faut vraiment qu'il trouve, faut qu'il fasse quelque chose. Hein. Le Dantaka, magnifique combo qui est trouvé par Yamato qui trouve enfin son zoning avec la TP. Bah petit point. Oh le confirme combo, c'est magnifique ce qu'il fait Yamato qui est très très bien revenu sur Ken Bogard qui montre qu'il est son vrai niveau sur le jeu avec Yamato qui a trouvé non. Le full combo qui a raté la fin de son combo et qui permet à Ken Bogard de revenir. Il le chope pour le mettre dans le coin. Ken Bogard qui a pour l'instant pas la super. Yamato qui est très très bien revenu dans cette partie. Le jeu il est magnifique ce que vient de faire. Yamato pour revenir dans cette partie, il montre qui c'est le patron, mais est-ce que ça va suffire? Et c'est là que c'est compliqué. Unicorn hein, finalement. Alors pour l'instant, bien joué, l'anti-air. Yamato qui a un combo, mais il faut évidemment réussir à aller le placer, hein, sachant que Ken a une très 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 bonne défense. Enfin, c'est compliqué, hein. Ce wing qui lui permet, voilà, le bas gros pied, le petit zoning à distance avec les boules. Yamato qui mange la super, plus ou moins, qui est obligé voilà, de surer à l'attaque, alors que Ken a vraiment l'avantage. Allez, faut punir, faut... Oh non, il rate la punition, là sur le full combo, ça va être compliqué. Allez, voilà, faut pas rater avec la TP derrière pour continuer le combo, c'est Guilty Gear. Ça fait des Roman Cancel du côté de Yamato, mais ça va peut-être pas suffire. Le zoning, c'est compliqué. Là, ça super hein, Yamato, mais pff, le 3 de combo qui est passé du côté de Ken Bogard. Là, super. Est-ce qu'il va quand même la claquer? Il ne meurt pas sans ton pif.
On garde sa super ou pas sur les roues? En fait, tu peux la faire à l'infini si elle prend juste de la barre au-dessus. T'as de la barre de super en haut, tu vois, et tu la récupères pas au travers des rounds. Ah, sans dessiner. Allez, voilà, c'est tout parfait. Parfait, le 6 hits, le 5 hit combo hein, qui est trouvé par Yamato, qui utilise les cancels de Guilty Gear, le False Roman cancel pour revenir. Pour l'instant, c'est un round très très important. Magnifique, là, ce que fait Yamato en entier pour reprendre l'avantage. Ken Bogard qui connaît, qui fait le hit avec le Hard Knockdown derrière, qui est trouvé, pas de setup, il choisit la super en mythique. Yamato qui s'échappe avec une super pour échapper à la super. C'était plutôt bien joué. Ça lui a peut-être évité de manger trop de dégâts, mais pour l'instant, il est en grosse difficulté. Ah, c'est compliqué hein, ce qui se passe quand même. Encore avec ce 5 hit qui fait Hard Knockdown avec le setup de Ken Bogard qui fait saut. Empty low et 2-0 sur Yamato sur ton jeu. Ça va être chaud là, putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai foiré. J'ai taffé trop les combos, mais pas assez les footsies. Voilà. Et il me fait peur parce qu'Aranma il maîtrise le combo stun vers mort, là il maîtrise l'infini, c'est un infini hein, qu'il fait. Hein. Là, s'il rate pas, je prends jusqu'à la mort en fait. Je peux sortir une excuse de sac? Attends, vas-y, je zoome sur vous et balance mon excuse de sac, je pense qu'on est prêt. Je rate jamais l'infini au stick arcade. Ah voilà! Bah pourquoi t'as pas joué au stick arcade? Bah parce que mon stick arcade SNES ne fonctionne plus et que Verdi il a dit non, oh je vois la manette! Je l'ai interdit parce que je ne joue pas au stick arcade aussi. Et je vois pas le rapport. Quoi? Ben, il aurait le droit de jouer à cigarette s'il avait envie de jouer. Depuis quand c'est interdit? Parce que si tu joues sur le support original, tu joues avec le support original. Arrête, Ken. Dans ce cas-là, tu joues à Street 4 à la manette Xbox 360 ton tournoi. C'est pas une excuse. Écoute. Hein, ben bon, il a dit on joue à la manette. J'ai fait. Il a dit je joue pas aussi. Je fais okay, sincèrement. Très bien, je joue à la manette. Tu trouves pas que l'e-sport serait beaucoup plus juste si tout le monde jouait à la manette PS4 sur PS4, Xbox sur Xbox, etc. Ben non, parce qu'il y a des gens, tu vois, ils ont de l'arthrite dans les doigts. Ils ont pas forcément. Ah, le mec. Le meilleur périphérique, c'est celui qui te convient le mieux. Bon, au fond, c'est quand même une excuse de sac. Faut se la. Ah oui, non, mais j'ai perdu, je ne remets pas ça en question. D'ailleurs, voilà. Alors, les enjeux sont là, Maintenant, tu es obligé de débreak en battant Ken Bogard sur son Fighters History 3, ouais. Super Famicom. Ouais, Ken, je t'invite à mettre ce jeu. Tu mets maintenant 3-2. Si tu remportes ce match, c'est fini. Si Yamato égalise, il faudra un deathmatch DBZ Super Butoden 2. Ah non. Ah, vraiment trop bien, un super Butoden 2, ouais. Les gens ont envie de voir. Je me battis jusqu'à la mort sur Fighter History Dynamique, mais un peu la mort dans l'âme, tu vois. J'ai vraiment envie de jouer au jeu. Moi, pas du tout. J'espérais gagner sur celui-là pour éventuellement arracher la victoire sur Fighter History. Alors, comme vous voyez, hein, derrière la cartouche, il y a un sticker, on le voit pas bien, mais qui indique que la cartouche est OK. Prêt à être vendue. Je l'ai jamais acheté. Allez, mets le jeu. Voilà. Lance le jeu. On a déjà marre de nous. Ne jouez pas à DBZ, s'il vous plaît. Voilà, si vous aimez Data East... Data East ou tout? Vous allez aimer, bien entendu, Fighters History, je pense. Comme toute personne... Montre absolument... un petit peu la boîte. Je rappelle que c'est une exclusivité, en fait, c'est la suite... Attends, il faut quand même qu'on explique aux gens, dans cette émission, comment on fait les choses bien. Enfin, on essaye. C'est la suite de, notamment, cette merveille qui est le jeu le plus joué de la salle Mikado. Bien sûr, je te laisse en parler. Ken Bogard. Voilà. Non, tu l'as en vrai. Oh, mais toi, tu déconnes pas. Ouais, punaise. Voilà, donc, Fighters History Dynamite est la deuxième version de Fighters History Dynamite. Excusez-moi. La première étant sortie en exclusivité sur Super Nintendo. Donc, Data East, Fighters History, tout simplement. Voilà, introduisait le personnage de Mizoguchi et tout son univers. Mizoguchi wins. Le 2, Dynamite, eh bien, introduit une intrigue, beaucoup de persos, et rend le jeu, évidemment, Neo Geo. Oh, tu peux ouvrir, hein. Parce que le premier c'était Schnapps. Ah, le premier, c'était complètement Schnapps. Mais il s'avère que cette version n'a pas trop bien marché. C'est bizarre, hein, sur une console qui s'est si bien vendue. Et ils ont décidé de faire le 3 sur Super Nintendo, du coup. Sachant que, ceci dit, le jeu sur Neo Geo, c'est un des jeux qu'on peut trouver les moins chers. On le trouve encore à 50€ au Japon. Hein. Ouais. Non, c'est vrai. Il est même moins cher en AES quand même. Et je l'ai payé. Je l'ai même payé 5000 yens, tu vois. Non. Donc il est vraiment mais à ce prix-là, j'en veux un aussi. Parce que le MVS est un peu plus cher. Ce qui est rare. Hop. Donc voilà, c'est Fighters History, donc ce que vous connaissez sous le nom peut-être de Karnov's Revenge. Balloon. Et il n'y a rien de plus à dire, si ce n'est que c'est en fait Karnov's Revenge, sans les persos. Et en plus moche, donc c'est con. Ah oui, alors là c'est intéressant, il y a des modes, mais on sait pas c'est quoi. Start, stage, exit.
Star. D'abord, tu choisis ton stage. Ah, mais c'est ton jeu, c'est à toi de savoir quand même. Je vais d'abord choisir le stage. Tu crois vraiment qu'on a joué à ce jeu tous les deux? Ah oui, c'est vrai. Zazie dans le métro. Mais ouais, moi c'est exactement la blague que j'allais faire, mais c'est pas dans le métro. Bah, du coup, voilà, non, ça marche pas. Zazie dans le métro, hein. C'est vrai. Je peux plus de vous. Je vais prendre Zazie, c'est pour vous faire plaisir. On va starter. Incroyable, regardez. Ah, Yamato qui est obligé de remporter pour. Oh, le sprite, oh mon dieu. Oh, les sprites sont dégueulasses. Ah, mais tout est dégueulasse dans le jeu. Mais... Yamato, c'est maintenant ou jamais qu'il faut te transcender. Alors, qui joue Lee? Je joue Mizoguchi. Le lit double de Yamato contre le Mizoguchi, évidemment, de Verdier. C'est maintenant que tout peut jouer. Si Ken remporte ce match, c'est gagné. J'aime beaucoup ce parallax pas animé derrière. C'est complètement dégueulasse. Alors, le lit qui a une certaine technique hein, de Yamato, on voit que... Ouais, ça va être compliqué. Hein. Ken Bogard, il a l'air complètement là sur son jeu. Au moins, lui, il gagne sur son jeu. Ah, c'est bon, il a un dragon. Eh, mais c'est un peu le même perso que dans Breakers, non? C'est du Along. Oh là 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 là, il est complètement là, Ken Bogard. Évidemment, c'est son jeu, c'est un de ses choix, parce que lui, contrairement à Yamato, il gagne à son jeu. À son jeu. Ah. Non, on est pas sur Neo Geo, on est sur Super Nintendo. Oui, là on joue à la manette, hein, donc déjà réussi. Mais là on n'est pas sur Neo Geo, on est sur Super Famicom, c'est le 3 sur Super Famicom. Ce qu'on expliquait, c'est qu'il y a le 2 sur Neo Geo. Ouais, c'est le 2 sur Neo Geo. Et il est quand même beaucoup plus beau sur Neo Geo. Ouais, ça va. Les graphismes. Allez, pour l'instant ça c'est dans la garde, évidemment la shop qui est trouvée pour ne pas remettre dans le coin le dragon. Allez Yamato, tout le monde est derrière toi, là il y a 8000 personnes sur le stream qui sont là pour t'encourager. Bah petit pied, bah gros pied, le Heart Not Ground qui est trouvé par Yamato-sama. Yamato-sama avec le T-Punch hein, évidemment de Yoon, c'est exactement le même coup. Pour l'instant, voilà, allez, le T-Punch. Yamato qui est parti en zoning, qui est pas mal hein, sur Spoon, Yamato qui revient sur Ken Bogaru, ça serait une belle surprise qui remporte, qui tue Ken à son... Oh putain, incroyable. Double dragon, encore une fois. J'avais oublié son... Peut-être dragon. Le dernier match, Yamato counterpick peut-être. Non, je connais que Lee. Mais normalement je joue Rei, mais ils l'ont enlevé, parce qu'il était trop fort. Les coups de converse à l'infini, à la relevée, en anti-air, en pressing, avec à distance, tu pouvais faire un main game shop, enfin c'était n'importe quoi. C'est peut-être la fin, peut-être Ken Bogard va gagner ce Retro eSport Club. J'ai changé de couleur de pantalon. Je sais pas ce qui peut t'arriver, c'est vraiment la folie. Mais remarque, il est en vert, la tenue du Gouac, en dédicace évidemment à tonton Monsieur Karaté, et surtout il peut se camoufler dans le décor, donc il devrait gagner. Ah, le lunch punch, on dit, voilà, c'est ça, de Yoon. Mais pour l'instant, Ken Bogard qui a une garde très solide. Alors, c'est compliqué pour l'instant ce qui se passe. Alors que Yamato se fait complètement terroriser. Je me fais martyriser, c'est terrible. Bogard, ça va être difficile. C'est peut-être la fin de ce combat. Alors, il y aura bien sûr des surprises puisqu'on doit durer jusqu'à 23h. Vous êtes en train de me speedrun l'émission là, c'est pas possible cette histoire. T'as voulu jouer en deux sur après, il y a Chiquito. Attends, j'ai un coup de fil de Chiki. Il dit Ken, père, ça va trop vite, les sponsors, l'argent des abonnés. Ah, c'est bien joué, voilà, le lunch punch, ça c'est dans la garde, absolument très mal puni. Ken Bogard qui continue avec le tatsu dans le tapis, alors que pour l'instant, dans ce merveilleux décor, en camouflage ninja, Yamato aura usé de toutes les ruses pour s'en sortir, mais ça ne va pas suffire contre le pantalon doré. Du Mizoguchi de Ken Bogard, le champion du monde de Fighters History 3. L'infini de Mizoguchi, l'infini pressing de Mizoguchi. C'est compliqué, Yamato qui ne sait pas comment se débarrasser de l'infini alors qu'il dominait dans ce round l'infini de Mizoguchi. Bah, bien joué, un petit dragon pour s'en sortir. Attention encore, mais Yamato qui commence à voir les frames. L'œil du tigre qui conclut. Il sauve sa peau, première balle de match. J'en vais pas, Yamato, c'est pas terminé. Ouais, je me rendrai pas son combat. J'ai mal au pouce. C'est compliqué. J'ai mal au pouce. Oups. Du but. Je sais pas ce qu'on peut faire.
C'est absolument incroyable ce qui se passe. Alors que pour l'instant, Yamato Sensei continue à agresser son adversaire. C'est compliqué, c'est compliqué. Ça passe absolument dans le vide. Voilà, la clé de béquille. Yamato, pour l'instant, dans le coin, mais il mène quand même à l'énergie. Et voilà, non, il est trop de dragons. Mais il rate la punition. Quatre bogards qui se fait rater des punitions. Est-ce que Yamato est en train de réussir l'exploit exploitant? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la fin? Oui, non, il rate pas son combo. Lunch punch derrière. Bien joué! Ah, celui de confirme! Ah, le confirme était complètement fou! Hein. J'ai vu la frame, je suis rentré dans la zone. Et là, je me suis dit sorti. Quelle fin de match! Yamato, peut-être pour des breaks. Ken Bogard, dos dans le mur. Je suis. Alors que c'est ton jeu. Dos à dos. C'est le jeu que j'ai rapporté. Le dos à dos. Mon c'est le jeu qui l'a rapporté, c'est mon le jeu, jeu qu'on a fait. Ouais, voilà. Ça commence à y aller, ça commence déjà. Et moi, moi je pensais que j'avais plus de chance à Gundam qu'à Ranma, et voilà, tu vois. Généralement, il gagne à Fighters of Story, tu sais. Enfin, finalement, t'étais quand même invincible au jeu bizarre là, surtout. Oh, le zoning parfait, regarde Yamato qui commence à voir les frames. Oh, le parfait, le dragon, Angel's Frame, les confirme sur le Lunch Punch. Tout est là du côté du joueur dans ta cave. Alors que le joueur, le stream, malgré le sponsoring, malgré les youtubeurs, malgré la fame, est en train de se faire rattraper par les indés. Oh là là, c'est fou ce qui se passe. C'est le combat de David contre Goliato. C'est le combat de la rue Soleillet contre Paul Vaillant, couturier. Et pour l'instant, Ken Bogard qui est en train quand même de revenir dans cette partie alors qu'il estonne le combo qui passe. Que Yamato qui est dans le coin, Yamato qui dragon, il a pas peur, il a pas peur, qui dragon. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait lunch punch et t'as mis dragon dans le lunch punch. Ouais, c'est ça. C'est compliqué, c'est la balle de match pour Ken Bogard, la balle de la fame. Webedium est sur le point de tout remporter. Mais c'est Yamato qui n'a pas dit son dernier mot. Il sait qu'à la clé, c'est le contrat de récupérer tous les sponsors de le stream pour sa chaîne privée. C'est maintenant que tout se joue. Alors que Ken Bogard a retrouvé son dragon comme à l'époque. Ah oui, la punition. Mais non, mais pourquoi tu tapes derrière? T'as pas l'avantage quand tu tapes. Oh, oh, stun, oh, stun, ce double lunch punch. 100% stun. Et j'ai une pression de ouf sur ce match. Son dragon. Ton dragon, il me fait des farces de gauche. Il fait. Moi, il travaille beaucoup les triceps comme moi là, ça en soi. Yamato, pour l'honneur. Yamato, tu te souviens, le fan festival 2002, c'est là que tout a commencé, que ta carrière de joueur a débuté. Et tu pourras bien jouer à la frame perfecte sur le saut de Yann Cohen Verdier, Andy Masters, n'est-ce pas, connu dans les mangas. Pour l'instant, il peut l'emporter. Double dragon, punition, counter punition. C'est quand même Ken Bogard hein, qui a l'avantage. La boule est là, punition avec le dragon, il se rend pas la tête. Passage dans le dos, il rate pas son combo, il continue à agresser. Il a pas peur, il a pas peur de manger dragon, mais il mange dragon. Oh non, c'est le... Oh, le combo sur le follow-up stun. C'est compliqué, hein. Faut punir. Ça va être très 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 difficile hein, pour lire dans ta cave, qui punit très très mal les dragons de Ken Bogard. Qui explique que forcément, bah, c'est difficile. Hein. Voilà, là, ça veut dire fin de match de folie quand même. Hein. Le spectacle est... Punis-le! Puni! Oh, les occasions manquées de Yamato qui a tout pour gagner depuis 10 minutes. Oh! Et qui s'incline! C'est la victoire de Ken Bogard qui remporte ce deuxième épisode de Ristro Sport Club avec cette magnifique Panasonic Q en dotation. Ken Bogard! C'était à Nagano que t'étais à Nagoya que tu l'avais pas laissé passer. À 11 000 yens, on parle pas. Non, 22 000 yens quand même. Ouais, 22 000 yens. Ouais, ça là m'est resté à Nagoya. Que dire ce qui vient de se passer. D'abord la first... Oh, je suis effondré, hein. je suis au fond. First réaction. J'ai pas le droit de te toucher, mais sache que je... Voilà, je t'enlacerai bien, mon petit. Je suis effondré. J'avais fondé tous mes espoirs sur Gundam, et je me suis fait laver le cul. Ouais, bah la manette. Ah, je me douche pas ce soir en rentrant, j'ai le cul déjà propre. Hein. Je savais que la manette allait être... quelque chose qui allait me sauver. Ces années d'entraînement sur le support d'origine. Le support d'origine. Alors, est-ce que finalement, Yamato, tu peux dire à la caméra, devant tous les gens qui regardent, une fois pour toutes, Ken Bogard est le meilleur joueur de jeux Super Famicom au monde?
Mais non, mais c'est pas vrai. Super Famicom. C'est dur. Le joueur, non, je pense que Ken Bogard est le meilleur joueur de jeux de baston de ce petit appartement intimiste de Paris. Voilà, mais du monde. Bah si, c'est le championnat du monde ce soir. C'est le champion du Retro Esports Club du monde. Jamais joué contre Kokujin, hein, ça se voit. Bon, on n'est pas obligé de. Bon. Alors, quand même, parce que l'émission est bien sûr loin d'être terminée. J'ai ramené un autre jeu. Mais même le mode ma manette n'a pas suffi. Et non. Avant de tester l'autre jeu, on va quand même imaginer, parce que c'est le Retro Esports Club. Donc nous allons voyager dans le temps, et il y a une surprise, parce que c'est comme à la Arcade Cup. Tu vois le score, Ken, où il y a marqué 4 à 2. Ouais. Et bah bizarrement, il disparaît. Par la physique quantique, il devient 3. Mais non. Partout. C'est incroyable, comme si dans un univers parallèle, Yamato avait gagné. Il a ça aussi, ouais. Et ce qui va se passer... C'est que sur ce jeu, c'est maintenant que tout va se jouer. C'est évidemment le dernier jeu, puisqu'il y a 3 partout dans mon imaginaire, bien sûr, parce que c'est quand même Ken qui a gagné. Sur ce jeu va se jouer ce deuxième épisode du Retro Esport Club, sachant que, bien évidemment, celui qui gagne remporte une magnifique PC Engine GT. L'émission va durer une saison, puis il aura vidé toute sa gaming room et il recommencera jamais. Voilà. Non mais quand même, j'avais modé mon pad, j'avais changé les gommes pour mettre des gommes de très bon état et j'ai surtout modé le câble. Il y a pas 3 partout. Plus long. Il y a donc attends, il y avait combien? Ken a quand même 3 2 4 2 maintenant. Il y a 4, il y a 4 2. Il y a 2 points d'écart, c'est le tie break. J'ai Jimmy Connors hein, si vous voulez. Oh non. À la rigueur, comment il s'appelle le super sur PC Engine là. T'inquiète, j'ai des choses, t'inquiète. J'ai des choses, j'ai dit. Putain. Alors. Voilà, on est donc le Butoden 2, un jeu à l'époque qui a fait sensation au Super Game Show 93 avant sa sortie Boulevard Voltaire pour la modique somme. Quand je pense qu'on s'est tous fait mais suriné par Espace 3 Game et compagnie. Taisez-vous. T'achetais ton jeu à la caisse et te mettais un coup de surin dans le ventre. Combien tu l'as acheté? Toi, combien tu l'as payé à l'époque? Bah, 690 francs. Voilà. Avec la D29. Tu t'es fait tirer dans le métro juste après, on est d'accord? Non. Ah. J'allais avec tous mes potes là. T'avais la strat. Ouais. Ah, ouais, il y avait ce genre de phase à l'époque? Ah, bah oui. Pour aller voir Voltaire, bah t'avais intérêt à pas y aller seul, hein. Quand à la sortie d'un jeu comme ça. Base complet. Putain. Ouais, tu sais, ça attendait à la sortie des magas. Je veux te dire que. Voilà. Non, c'est bon, moi j'avais mes potes, ils rigolaient zéro, c'était parfait, j'arrivais avec. Bon, vous y allez ou on dort ici? Je rappelle, Super Butoden 2, c'est le match pour savoir ce qui se serait passé si Yamato n'avait pas fait le sac sur Tortue Ninja et sur Gundam. Bah oui, c'est ça quand même qu'il faut dire. C'est normal que t'aies perdu à Fighters History. En fait, on a tous perdu. Donc c'est le Trunks contre Minicell, pourquoi tu joues Minicell? Je sais pas. Je crois que j'avais trouvé un petit infini méga chiant là dernièrement, donc je vais essayer de m'optimiser. Tu vois, j'avais trouvé un truc comme ça, ah bah il s'en est sorti, bon bah j'ai perdu. Hein? Pourquoi? Hein? Bah, il connaît l'infini de la glissade, c'est ça? Non, mais c'est pas l'infini de la glissade. Alors c'est quoi ton infini là? C'est le petit point. Petit point? Voilà. Et ça fait petit point shop? Ouais, c'est dégueulasse. Ouais, ça fait petit point shop, c'est un petit trop de base, hein. C'est vraiment la base la base du XO gameplay. Mais vraiment, il n'y a rien de très original, hein. C'est vraiment juste de la merde. C'est complètement laid. Voilà. Ah bah c'est complètement laid, je te l'ai. Alors, cette fois-ci, tu charges, et pas de super du coup. Tu n'utilises pas les super pouvoirs, les super attaques, les caméas et compagnie. Ça sert à rien tout ça. Alors, qu'est-ce que va pouvoir faire Ken Yamato pour se défendre là-dessus? Rien. C'est genre... Oh merde. Et voilà. Non. T'as encore perdu. Ouais. Putain, mais t'aurais même perdu à jouer là, c'est pas possible. Tout l'un que tu... La glissade, voilà, la serpillière alsacienne, hein, c'est comme ça qu'on appelait ce coup-là à l'époque dans les tournois mondiaux, la serpillière alsacienne. Pour l'instant, alors que le tic trop du Minicell, serpillière alsacienne, mais rien à faire hein, pour l'instant, Ken Bogard qui est même invincible sur Super Butoden 2, avec la technique la plus dégueulasse que vous ayez jamais vue sur un c'est un infini hein, que j'ai fait là, je crois que si tu le fais à la bonne distance, ça fait l'infini. Alors, est-ce que là, qu'est-ce que... Oh non, tu fais chier, j'ai mal. Allez, c'est parti. Ça va. C'est une de mes manettes quand même, hein.
faudrait qu'on parle un petit peu matos. Ouais, putain, tu bourres trop vite. Tu bourres trop vite. Ah là là. Ça sort, quand même, ça sort quand même beaucoup les excuses, hein. Moi, je tiens à le dire. Ah, écoutez, moi j'essaie de prendre le perso le plus beau Tom Tier de l'histoire. Maintenant, si mon collègue n'y arrive pas. Je suis pas sûr que c'est aussi beau Tom Tier que ça. Est-ce qu'on peut vraiment, est-ce qu'on peut vraiment parler de Tier List en même temps sur ce jeu, quoi? Ah oui, complètement. Allez, vous rejouez. Alors, attention. Mais attends, là, c'est fini, là. T'as perdu. Ça aurait fait deux, non? Mais non, c'était un deathmatch. Mais non, mais attends, fais au moins un FT2. FT2, mec, sans déconner. Non, mais tu viens ici, chez moi, hein? Et. Bon, alors FT2, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Le droit de jouer à Super Bikuriman juste après. La Playdia. La Playdia. Non, mais on a jusqu'à 23h, on a du temps. Non, bon, on va tester d'autres jeux Super Famicom, parce que c'est un spécial Super Famicom quand même, donc pour pouvoir apprécier. Alors la glissade alsacienne. J'aimais beaucoup ce décor, il est pas trop stylé ce décor. Hein. Bon, même... En fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'était pas si beau que ça en fait. Ces pixels qui bougent pas dans le décor. Bizarrement. Mais bizarrement, à l'époque, on trouvait ça magnifique. Alors la glissade alsacienne, mais rien à faire hein, contre cet infini. Ah, c'est trop laid. Mais pourquoi vous faites ça? C'est toi qui veux jouer au jeu, donc on joue au jeu. Pour une fois qu'on respecte les règles. Pour une fois. Terrible. C'est Lord DVD hein, qui est invincible à ce jeu. Oh, c'est ce qu'il dit. Ah si, il a un beau Jack. Hein. Boule de pétanque. J'avais une heure pour imiter ça. Gohan. Alors Yamato qui charge, mais pour l'instant qui a vraiment du mal. Hein. Contre les mythes totalement intestables de Ken Bogard. Voilà, la projection, pas de super. Ken Bogard qui campouse, qui backdash complètement. La fuite, oh, magnifique, hein, le zoning parfait appliqué par Yamato qui revient bien hein, quand même dans la partie alors que le petit point de l'infini de Ken Bogard. Magnifique, la recharge pour utiliser le timing, la glissade qui passe en bas, le pas gros point. Pour l'instant Ken Bogard qui recule, oh, et c'est parti, et il envoie la max. C'est la max? Ouais. Pas vraiment. C'est la max. Avec le mini rayon disque laser de Dorothée. À quand un match Lord DVD versus Seigneur Bourret? Ça. Allez, à mon tour maintenant. Oh merde, c'est pas contré. Je suis mort. Là, si tu renvoies pas, non. Même tu mets la garde, ça devrait être ah bon. Ah si, c'est bon. Ah si. Et c'est reparti pour le Destroy de manette. On va voir qui est le plus gros touilleur de manette du monde. Et Ken Bogard qui revient mine de rien alors qu'il était plutôt mal parti dans ce match. Avec la chance qu'on a, on va pouvoir se taper un troisième match. On est super content. Alors pour l'instant, alors Ken Bogard qui continue de touiller avec le sous petit point intestable. Les boules, voilà, les boules en contre, encore le ya, ça arrive. Par en dessous, il est quand même mal au point, hein, là, il n'y a pas à dire. L'ami Ken Bogard, qui va peut-être essayer une super attaque. Mais vas-y, lance-le, il est abîmé, là, il est stun, qu'est-ce que t'as fait? Bah, je lance. Mais oui, mais c'est trop tard, il était calme stun. Calme-toi, d'horizon. T'es un peu trop, en mode Oda. On fait ce qu'on peut, nous, ici, tu sais. Ah, c'est magnifique. Magnifique Yamato qui est invincible pour l'instant et qui va peut-être... Non, il décide d'attaquer, mais quelle erreur. Franchement, tu devrais lui lancer une attaque, t'as une chance sur deux. Alors, voilà la glissade alsacienne. La glissade alsacienne. On serait pas un autre match? Bah si, puisqu'il y a un partout. Franchement, un partout. Eh mais moi je m'amuse là. C'est bon, c'est fini. J'ai plus d'enjeux, la pression est libérée et tout ça. Vous voulez pas jouer à pile ou face là? C'est toi qui l'as choisi ce jeu, tu vas le sur... Ah, tu vas le... Ouais, il est très bien, il est très bien. Ouais. Il valait complètement ses 690 francs à Espace 3 Games à l'époque. Hein. Je suis désolé. Hein. Soit dessiné. Oh, je sais sur quoi vous allez vous départager. Sur quoi? Ah bah tu vas voir. D'abord on va tester ton jeu et après j'en vais. Il va sortir un Battle Master, on l'aura pas vu venir. Battle Master, j'aime bien. Moi j'aime bien aussi. Bon bah vous allez avoir le droit. On est toujours parti. Ah j'en fais le combat de l'animé là, regarde. Mais pourquoi t'as changé Val? C'est moi qui ai changé. Mais moi aussi j'ai changé. Bah oui, tous les deux, le combat d'animé. Il était plutôt joli hein, ce stage. Les musiques sont quand même assez craquées dans le jeu. Hein. C'est vraiment. Non, il est vraiment cool. Oh, j'avoue, tout n'est pas acheté niveau musique. Alors, pour l'instant, le Gohan, un peu en. Le Gohan Saiyan 2, hein, qui est plutôt mal parti. Je dirais, même si ça joue pas à grand chose, parce qu'on est plutôt dans. Non, parce qu'on va s'endormir dans ce jeu. Il se passe pas quand même des choses de la folie. Allez, il doit absolument contre-attaquer. Mais en fait, c'est la même technique que tout à l'heure, non? Non. Si. Bah, ça y ressemble quand même beaucoup. Non, mais tu crois que c'est la même technique, mais ça. Non. Et ça change quoi? Coup d'horizon, et un moment, faut que tu.
C'est incroyable qu'après autant d'années de combat, tu saches pas reconnaître un avant-gros point d'un petit point. J'ai tombé dans mon propre piège, c'est exactement ça. Ah, putain, c'est pété ça. En effet. Ah bah je l'ai arrêté. Ouais, ouais. Val, tu peux pas subir le même vortex avec tous les persos. Ah voilà, merci. Azenko. Azenko. Allez, heureusement ça connaît les contres. Ça va... Ah non, tu choisis la distorsion de la division. Voilà, mais pour l'instant c'est normal, finalement il est plutôt mené à l'énergie, pourquoi prendre de risques? Ah, il mange une boule gratos. Voilà, on peut s'envoler, c'est ça franchement ce qui était assez ouf à l'époque. Et pour l'instant on n'a toujours pas de... Petit mind game. C'est vraiment de la merde. J'ai Chiquito qui m'appelle, je suis viré. Oh merde, la gueule. On est ban pour la pire émission Twitch de la Terre, je suis désolé. Non, c'est la meilleure émission de ouf ou quoi. C'est trop moche. Kamehameha, le méga Kamehameha, bien sûr de sel. Alors cette fois-ci, c'est contré immédiatement par Verdier. Et voilà, et c'est parti pour le clash des énergies. Ça bouge pas tellement en fait. Hein, ça lagué d'où, tu veux dire? Ouais, c'est juste, il y a eu un petit fil. Allez! T'es un peu derrière là, Yamato. Je te sens un peu. Ouais, c'est dur. Hein. On voit que t'as un peu négligé l'entraînement, je trouve. Parce que workout, insanity, tout ça, mais ça paye pas sur des BZ. Hein. Il y a tellement de mindgames au mètre carré et toi tu vois rien là d'horizon. Franchement, je te jure, les mindgames ils sont violents. J'ai pas envie de les voir. Oh, le mindgame de je m'envole pas et j'anticipe que le mec s'envole, mais en fait il s'envole pas et donc tu le tapes. C'est violent. Bon Val, rien à regretter, t'aurais aussi perdu ce jeu là. Mais c'est de la merde. Tu es maintenant mené 5 à 2 c'est de la merde. Par Verdier. Et je pense que c'est la décadence. Ah, la barbe ne paye pas. Non mais Dragon Ball Z 2, je le dis depuis le début, c'est une arnaque ce jeu. Voilà. Est-ce que tu ferais mieux à Battle Master? Je pense pas parce que je le connais très mal, mais j'aime bon. Beaucoup. Vas-y, bon. Go Battle Master. Bah, allez, Battle Master, pas, il est dans l'autre Super Famicom qui est là. Mais en fait c'est un vrai jeu, c'est ça qui est terrible. Battle... Je sais pas pourquoi tu le summon autant, ça c'est un jeu de merde. Battle Master c'est un vrai jeu à côté. Bah, mais oui, non mais DBZ c'est parce que les gens connaissent et ça leur tiens. Fait plaisir de tiens. Voir, tu vois. Oh j'aime, ouais, j'avoue. Alors que Super Bikuriman, finalement, qui non, est dans, vas, qui est dans mon sac juste derrière toi. Tu vas le, il est où? Il est juste là. C'est ça ton sac? C'est, il a pris le jeu de secours. C'est ah, le jeu de secours. On a tous le même sac. Ah bah non. On a c'est le mien ça. Bah oui, c'est le tien. Il est où ton jeu? J'ai d'autres surprises, ne t'inquiète pas. C'est 8000 degrés là. Non mais grave, putain. Le jeu ne se lance pas. Toi, t'as niqué ma Super Famicom? Non. Ça, c'est un mythe. De niquer les Super Famicom, ouais, c'est un mythe. 15 kHz comme les bornes d'arcade. Des fois ça fonctionne. Ah non, mais non. Ah, tu l'as remis en pâle. T'as fait le reset, ouais, le ouais. Reset zoning. Le reset zoning. Ah, je vois dans les yeux de Dorizon. Elle est modée en Super CIC. Ah, Invictus comme le film. N'importe quoi. Alors, je vous rappelle que c'est un jeu Battle Master. Que peu de gens connaissent sur Super Famicom, il s'agit pourtant du meilleur jeu de combat de la Super Famicom. Non. C'est 7 jeux qu'on dit ça. Mais oui, c'est le jeu qui a été fait par les mecs qui vont plus tard faire Ragnagar pour te dire le niveau oh merde, j'avais oublié des ça. Mecs. C'est vrai, c'est Ragnagar. Ah, c'est un jeu exceptionnel. C'est un jeu exceptionnel. Bon, évidemment, hein, j'ai un win dur. Oh, depuis que je fais de la muscu, j'ai un kick sur les meufs musclées. Et là, franchement, je suis servi. Hein. Ah, oui, ah mais oui, mais ici avec Cyber Policier. Cyber quoi? Cyber Policier. Ah mais ce game nu. Ah ça joue le gros. Ça joue le gros. Ouais, je joue le gros. J'ai pas joué de gros ici alors que normalement j'ai joué le gros. Non mais tiens, j'ai regardé des doros et doros sur Netflix là avec Noi et... C'est complètement là. Ça joue Baki. C'est là. Ça joue Baki, c'est mon crush. Baki c'est à chier. Baki c'est trop bien, t'es ouf ou quoi? Sur Netflix t'as regardé? Moi je joue Drus, Drus il est dans Baki. Moi je joue Drus. Mais en plus c'est trop un bon perso dans Baki Drus. Bah bien sûr. C'est trop le meilleur. Voilà. Je vais te battre et puis on va s'associer ensemble et on va faire plein de choses super cool au Japon. Il a la voix toute douce en plus. Serrons-nous la main. Il essaye de lui déboîter l'épaule. C'est ultra craqué. Putain. Ah, le jeu tournait pas si mal, hein, ceci dit. Hein. Non, tu vois, pour un jeu Super Famicom, les décors bougent. Eh, ça bouge plus que Fighters History 3, hein, sans vous dire. Donc là, c'est le Ranmaru, évidemment, de Yamato contre la Watts de Ken Boga. Ah, de marée.
Et sachant que tu peux monter, regarde, tu peux monter sur les décors, c'est craqué ça, ils avaient tout compris dans le jeu. Le jeu il est trop ouf, hein. Plus ça joue, c'est plutôt speed. Non, très 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 bon jeu, hein, y'a rien à dire. Pour l'instant, alors le Ranmaru hein, de Yamato, t'aurais peut-être dû choisir ce jeu là au lieu de prendre tes Tortues Ninja et tes Gundam où tu sais pas jouer. Ça aurait été plus intéressant. Alors que le Ranmaru de Yamato est complètement là, regardez, tout en zoning, absolument en pixel perfect no mododa. Qui a maîtrisé, je comprends rien ce qui se passe. Et Chun-Li avec un dragon quand même. Oh la chope, ah, mais ça fait pas mal. La chope qui est trouvée par Yamato, mais ça ne fait pas mal. Dixit Ken Bogard. Ah, il y a le Airleg. Pouah, c'était quoi ça? Et la chope. C'est deux caravans vampires. Mais je comprends rien qui est qui en fait. Moi je joue Ranmaru là-bas. Ah, mais c'est toi Ranmaru en fait. J'ai toujours été un de l'histoire. Tout mélangé. Bon, la Ranmaru. Ranmaru en anglais c'est Ranma Street. Le Watts, donc de Ken Bogard, qui est complètement là, contre la Ranmaru, mais en fait qui jouait très très bien du côté de Yamato. Yamato pour tenter évidemment de se rattraper, alors qu'il est mené 5 à 2 hein, quand même dans ce défi. C'est un peu difficile là ce qui se passe pour lui, je pense qu'on peut quand même le dire. Allez, la Ranmaru, le dragon qui punit immédiatement par la chope qui arrache, en fait si elle n'est pas déchopée, c'est ça le problème. Battle Master, je rappelle, un chef-d'œuvre. Ou pas, sur Super Famicom, le jeu des créateurs de Ragnagar, le jeu que conseille Miles, bien évidemment, de la Team Guac. Voilà. Ah, on me demande quand est-ce que tu fais Yamato In Shape. Ah, oh, bah il est là, Yamato In Shape, mon gars. Hein, quand est-ce que tu fais des streams Yamato In Shape? Putain, j'étais dégoûté quand ils ont fait venir Thibaut Inchef sur Twitch, ils lui ont filé la homepage et moi je l'ai jamais eu pendant l'Insanity. Bizarrement, <Bon. rire> bizarrement, pour l'instant en tout cas. Et. Verdier qui regagne encore, il est invincible. Je sais même pas quel jeu je vais pouvoir trouver. Il faut le laisse-le gagner un peu là. Bah si tu veux on relance mon jeu. Alors, puis on finira sur ce jeu. Le meilleur jeu de baston reviendra. Où je vous rappelle que Yamato est le champion du monde officiel sur ce jeu. C'est l'homme le plus fort du monde. Il maîtrise le Korean Wave Dash sur ce jeu. Allez, c'est absolument pas terminé. Changer de perso, sur je m'en fous. Battle Cyber Master. Policier. Cyber policier. Envie que les gens voient. Le body, il s'appelle body sérieusement. c'est I body you. Ah, I body you. Oh putain, c'est quoi ça? C'est quoi ce perso? Mais sérieusement? Mais pourquoi le sprite il disparaît? Ah mais c'est ça a l'air d'être sa technique de combat. Mais c'est laid. Ça a aucun sens. Mais tu sais, on dirait le cyborg dans World Heroes Perfect là. Enfin, ah, ça ressemble un peu plus à un Dalsim en fait, mais nul. Pour l'instant, Valentin Yamato qui est en train de reprendre de la bête du poil dans ce combat de Battle Master. Je vous rappelle que le défi est terminé, c'est de justesse Ken Bogard qui sur un dragon de trop l'a emporté, mais il a quand même gagné ce soir. Voilà, c'est un moment difficile pour le stream indépendant. Ça fait mal ça. Oui. Finalement, c'est l'eSport Money qui a gagné ce soir. L'eSport Money. Ouais, t'as vu quand elle fait les poses de victoire, elle est plus musclée, elle est juste féminine. Et par contre, quand elle se bat, elle a des gros muscles. Ça t'aime bien. Bah le sprite, il est chelou quand même. Hein. Moi, je veux les muscles, moi. Ah, non mais oh. Ça t'aime bien. J'ai l'impression qu'ils ont été mauvais. C'est Rayman, les enfoirés. C'est Rayman. Putain, c'est Raymond Ray. J'ai un touché là. Voilà, mais ce Dalsim nul. La BO elle est stylée. Hein. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, je l'entends pas du tout. La BO pour l'instant, ce Dalsim, voilà, la shop qui est trouvée pour l'instant. Tu peux monter sur les armures d'Apple Seed. C'est complètement craqué en fait ce jeu, le meilleur jeu de combat. T'imagines que t'as des gens, ils l'ont acheté à l'époque, ils ont mis 790 francs dans le jeu. Ah, j'ai un entier qui n'entière pas, donc là on est. Et ils sont butés toute la soirée. Allez, pour l'instant c'est parti. Et Valentin qui a vraiment envie de. Voilà, qui a vraiment repris du poil de la bête sur cette fin de Retro Sport Club. Oh. Et Ken Bogard qui est en difficulté. Et je pense que. Oh là là là, ça joue tellement bien le zoning de Ken Bogard, zoning tu crois de Ken Bogard. T'as le temps de parler le coup, Yamato, du start-up ou pas Yamato que... revient dans la partie. Peut peut-être te laisser un peu de start-up en plus. Moi, je pense qu'il est un peu rapide ce coup quand même. Je pense qu'il est un peu rapide. Ken. Il est comme ça, attention, je vais faire goût. Ken, je vais être difficulté. Il y a peut-être des devants derrière à faire sur la relève de l'adversaire, hein, ils ont peut-être pas pensé. Non. Ken, ouais. Comment tu fais? Bah je counterpick hein, comme d'habitude, hein, vous savez, c'est le loup-garou du campus. Ouais, je prends le loup-garou du campus. Le mec de Twilight là. Et tu restes sur ton perso Yamato? Non, j'ai changé, j'ai pris l'autre meuf musclée. L'autre meuf musclée. Ouais, voilà. C'est un critère. Allez, un petit vol-vent. Vol-vent. Vol-au-vent. Tu sais que j'avais un très bon pote, je crois, au lycée. Son prénom c'était Lou.
Et son nom de famille, c'était Wolf. Et je me suis toujours dit, c'est quand même hyper étrange. Lou Wolf. Ah, mais tu m'étonnes, Lou Wolf. Ouais. Ça fait des petits dégâts. Un mec super sympa par ailleurs, mais Lou Wolf. Ça fait des très légers dégâts. Bon, en tout cas, ce stage encore. Mais pourquoi il y a un stage de la Statue de la Liberté dans absolument tous les jeux de combat de cette époque? Non, ah, mais c'est une vraie question. Ah, c'est vrai, c'est les années 90. Hein. Ils se sont dit, faut que t'aies le stage de la Statue de la Liberté avec les barils. Mais le jeu qui a au moins plus de parallaxe que Fighters History, hein. Ça c'est. Plus de scrolling, et quand même mieux réalisé, mine de rien, on se moque des créateurs de Ragnagar. Ton Altaltia là, elle est pas Bododa, hein, quand même, j'ai l'impression. Ça, mon gars, c'est le show-hopper absolu. J'adore le drapeau du je ne sais pas quoi. Et Yamato, peut-être, pourrait venir à 3 à 5, hein, mine de rien. J'ai tellement mal au pouce. Non, c'est fini, j'ai perdu. Je suis du bonus. D'accord. On me suit sur dans l'oreillette que le match est toujours en cours. Je te rappelle que les règles ici, c'est freestyle, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règles. On dirait un peu le mec d'Altered Beast. Rise from your grave. Tu sais, une fois qu'il s'est transformé, tout ça. Allez, pour l'instant, en fait, c'est un peu le même coup que Ryla dans Breaker's Revenge. Ouais, un peu, ouais. Oh là là, mais Yamato, ça Altia qui est complètement mais intestable, qui est en train de mettre à plat Verdier, qui sur la longueur, après un très bon démarrage, est en difficulté contre Yamato, le fantastique. Bien sûr, on a dit dès le début que c'était lui le meilleur, que c'était lui qui avait tout gagné, et que Verdier était une fraude, ce qui est en train de se prouver sur ce match de Battle Master, hein, devant le monde entier qui regarde. Skyhopper. Oh là là, la loup-garou, la Altered Beast, Right ça from your grave. Bien joué. Et victoire de Yamato, je préfère cette. Je préfère Altia. Voilà. Je sais pas si c'est mon mail, mais j'aime bien. Je la trouve fun aussi avec un showhopper safe quart de barre. Alors, chers amis, il est temps qu'on continue. Oh putain. Aïe aïe aïe. Attends, mais Il cherche des choses. Merci pour cette Playdia, je suis très honoré d'avoir gagné ce soir. Oh je sais. Chers amis, il est temps de vous régler à diverses choses. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fais encore, toi? Je montre les... C'est la caverne des merveilles, les gens doivent voir, les gens mais c'est pas savoir. La bonne émission. Reviens dans Kusoge ou dans Unboxing, mais tu te gourdes d'émission. Oh là là, putain, t'es vraiment un mec de la télé, toi, faut tout tu segmentes, hein. Je suis un mec de Twitch, c'est ça, c'est le chaos, fait n'importe quoi d'une minute à l'autre, en mais fait. Mais je fais ce que tu veux, franchement. On va jouer à ce merveilleux jeu, parce qu'il a la meilleure BO sur Terre. Il s'agit évidemment de Top Racer. C'est donc vraiment. Top Gear. Parce que Top Gear, qu'est-ce qu'il y a dans Top Gear? Il y a un mode de joueur. Mais je l'avais. Bah tu sais, bah regarde-le, il y a moi et Doc dedans, hein, avec Jay. Mais ça veut dire que je t'avais rencontré avant de te rencontrer? Sur le CD vidéo, mon gars. Sur le CD vidéo de Otaku, mais regarde, Otaku Magazine. Je raconte un truc. Attends, ça c'est le meilleur truc de style. Regarde, sur ce CD, t'as marqué reportage tout de suite. Non, c'est pas ça. Ah oui, en direct du cartooniste avec Jay, Asenka, etc. Quel enfer. Mais tu te rends compte que ça bouleverse tout le contenu de l'espace-temps de ma vie. Mais ça, il faudrait que tu prennes tous les CD, que tu les ripes et que tu les mettes sur YouTube. Mais attends, tu sais ce que c'est le pire? C'est que ce reportage, imagine t'achètes le CD d'Otaku 1. Tu sais, il y a marqué reportage au cartooniste. Ouais, ouais. Pour la petite histoire, en fait, à l'époque, on va tourner, mais on tourne avec une caméra avec des cassettes. Une caméra DV. Voilà, une caméra DV. Et donc, on tourne un reportage au cartooniste 2001. Il y avait Jack, le vrai de la CTPL, les vrais s'en rappellent. Il y avait Jay, il y avait Doc, Kurama Tengu, qu'on salue, il était déjà là. Et il y avait donc Jay, le rédacteur en chef d'Otaku, Gameplay RPG, qu'on salue. Un très très grand monsieur du très très grand du jeu vidéo que je respecte énormément. Et en fait... On tourne, tu sais, les à côté. Genre, on tourne à l'hôtel, on dormait à 5 dans le Formule 1. T'avais un gars, il dormait par terre. T'sais, c'était le camping, tu vois. T'as des mecs en pleine nuit. On filme, hein, ça lâche des caisses. Hein, c'est l'apothéose. Hein. On tourne les à côté, on rigole sur le port. Enfin, on filme nos vacances. Tu sais, c'est un peu les vlogs avant l'heure. Mais ça, c'était pour rigoler, pour nous. Et puis, en même temps, on avait bien sûr aussi filmé le salon. On avait fait un vrai reportage professionnel pour le CD. Et évidemment, quand on rentre à Paris... On s'aperçoit que nos conneries ont été tournées sur la même cassette que le reportage et la bande. Et donc, on doit boucler le CD, on nous demande les vidéos du reportage et les seules choses qu'on a, c'est des mecs qui pètent dans un Formule 1et des conneries. Je te jure que tu lances ce CD, t'as des mecs qui... t'as vraiment ça. T'as vraiment... C'est ouf. T'as ça. Et t'as une discussion qui n'a aucun sens sur le port de Toulon. Tu as tout, sauf le reportage sur le salon. Et donc, t'imagines... Vous avez mis là-dedans en mode, ils verront pas. Il y a personne qui...
vérifier les ditos, ils vont avoir la batte. Non, non, mais le contenu de ces CD, c'était incroyable. Attends. Mais tu vois, il y a marqué. Pendant ce temps-là, il y avait le magazine. En direct du cartooniste avec Jay à 7K et Dog, je te jure. Techniquement, c'est vrai. Je te jure que techniquement, c'est vrai. Je te jure que tu lances ça. En plus, j'avais fait la une du magazine. Attends, j'étais un gamin. Hein. Aujourd'hui, jamais tu fais ça. J'avais fait la une du magazine sur Exclu Mondial, 300 persos dans un jeu de Versus. Et en fait, c'était un article sur Mugen. Oh, bravo. Mais tu sais que t'avais déjà les titres putaclic de l'époque. Mais quel gros clickbait de mort. Quelque part. Eh, n'empêche qu'ils en avaient vendu... il avait très bien marché, ce magazine, le premier numéro. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins, ils en avaient vendu 40 000, non? Mais oui, j'avais le CD. Il y avait 40 000 personnes qui ont maté le paix au cartoon. Je l'ai acheté, mais moi je l'ai acheté pour les animés avec les meufs dénudées sur la jaquette. Oui, les fonds d'écran, frigo. J'ai acheté pour ça, et j'ai mis le fond d'écran là, je l'ai mis. Ça, c'était la sélection de Doc, j'imagine. Je me souviens pas de toi qui pète. Faudrait que je l'aviez comme ça, putain, qui colle. Enfin, j'avoue. Sans déconner. Mais t'as vu le matos qui est équipé, mais franchement... Voilà, on est de retour. Je vous laisse expliquer ce qui s'est passé. Ben, et la raison est très simple. Le clavier. Asenka fait tomber quelque chose sur son clavier, et Asenka fait partie des 37 personnes dans le monde qui ont encore ce qu'on appelait dans les années 2000 un clavier multimédia avec un bouton éteindre le PC dessus. Donc il a mis le PC en veille. Voilà. On est désolé, hein. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Toutes nos excuses aux familles. Mais bizarrement, ça arrive quand même beaucoup à moi. Hein. Mais c'est pas grave, on a Top Racer maintenant. Attends, est-ce que j'ai la cam qui a planté aussi, évidemment. Sinon, ça serait trop facile, tu vois. C'est... Voilà, on est revenu. Désolé tout le monde. Putain, le gag. Mais je pense que le gag, en plus, c'est enregistré, hein, ça enregistre. Je pense que ça enregistre. Ça enregistre toujours. Oui, ouais. Oui, ça enregistre toujours. Ça donc du coup, on va pouvoir montrer, on va pouvoir, putain, le bêtisier, quoi. Et puis rien qui marche, si ça marche. Une des meilleures BO de la console. Incroyable. On croirait Silver Surfer sur NES. C'est bon, tout marche. C'est un truc de ouf. Désolé, les gars, on a perdu du monde. Désolé, Vitality. Attends, coup de fil de Flo. Flo, il dit, t'es un gros sac. Bah, envoyez-moi un clavier. Il n'y a pas un bouton arrêt. Mais ouais. Sérieux, quoi, attends. Non, parce qu'il faut quand même le montrer aux gens. Hein. Non, mais il a un clavier déjà sans fil à pile, avec un bouton pour arrêter son ordinateur. Il cherche la bagarre. Attends. Comment j'en joue ? En fait, je vous explique ce qui s'est passé. Attends, passe-moi la boîte du Top Racer. Je sais pas. La boîte du Top Racer. Donc, vous voyez le clavier. Sur la ligne de départ, il y a un bouton ici, c'est le bouton PC éteindre. Et il y a la boîte du Top Racer qui est tombée sur le bouton mettre en veille. Et ça a planté le stream, du coup. C'est peut-être le plantage de stream le plus bête de l'histoire, non ? Je pense que c'est assez drôle, ouais. Pour moi, je fais rien. T'imagines si pendant les Coupes du Monde finales de Dragon Ball Fighters, le réel il a ça comme clavier. Tu vis dans 3 mètres carrés en même temps. Ouais. Écoute, c'est dur. Écoute. Bon, allez, revenons aux choses sérieuses. Désolé les gars pour le stream, merci d'être venus, mais on a quand même perdu des gens. Hein. Ah bah, c'est comme ça, la mort. Je suis désolé. Sumi Gomenasai. Tony Gomenasai. Il va pas sourd, lui, il va jouer en France. En fait, peut-être que je dise la vérité. C'est que je voulais. Non, mais mets il faut le circuit 1, il faut la meilleure musique. Hein. D'accord. De player. Là, de player, on est. Non, un kilomètre, attends. Pas play game. Système métrique. Blague à part, ce jeu a une des meilleures musiques de l'histoire du jeu vidéo. Et. Regarde, écoute, c'est dit. Attends. Je vais vous la mettre en pleine dans la gueule. Hein. Je vais la monter loin. Je pense que c'est ça. Y. C'est le jeu. Attends, je me perds mon truc. Oh, la bande-son incroyable. Voilà, je mets un peu plus de bande-son du coup. Alors, qui est devant ? C'est Yamato. Mais attends, donc Ken t'es en haut. Ouais,
a été derrière. Donc Ken Bogard est derrière alors que Yamato domine sur la meilleure musique de jeu de bagnole de l'histoire. Je rappelle qu'on est sur Top Gear, ça se joue dans Retro Esport Club. Et Yamato montre que dans les jeux de voiture, c'est lui le numéro 1. C'est pas normal. C'est à dire, c'est pas normal parce que c'est plutôt Verdier les mecs de la bagnole. J'ai pas trouvé comment accélérer. Oui, alors en fait, il faut savoir pour la petite histoire que Karaté, avec ce jeu en loose, a gagné notamment la finale de la saison 1 de Hunters. Mais en loose, et c'est lui qui m'a donné envie en fait d'y rejouer, en me rappelant à quel point la BO était fantastique et super fort en loose. Voilà. Comment on recharge les... Ça dure longtemps Ça va, comment on recharge. Ah bah voilà. Je suis tout à fait. On va essayer de doubler juste avant. En fait, à part les jeux de combat, les jeux vidéo, c'est pas ton truc. Hein. Et bah voilà, Yamato qui remporte cette magnifique partie. Mais il y a maintenant 5 à 3. J'ai terminé devant lui. Hein ? J'ai terminé devant lui, regarde. Non, mais faut qu'on trouve comment faire de l'essence là, je peux pas m'arrêter. 15ème place contre 16ème place. Ah ouais ? Bah oui. Ah bon, bah Ken Bogard remporte la partie. Mais juste, on savait plus comment faire de l'essence. Ah ouais, bah comment on fait de l'essence ? Bah j'en sais rien, j'ai jamais joué, j'écoute juste la musique. C'est pour le ça que son full à gauche. Faut que tu remettes le son en. De quoi ? Le son full à gauche. Centre le son d'horizon. Non, mais c'était déjà comme ça tout à l'heure en fait. Ah d'accord. Non, mais. C'est compliqué, mais le XRGB3, en fait, il a une sortie mono, ça explique pourquoi vous avez le son que d'un côté. Mais il est en japonais, Ken. Je sais bien que tu parles un peu, mais quand même. Ça va être facile. Le joueur devra s'arrêter aux pompes à essence. Mais le son, j'ai pas vu les pompes à essence. Location, statistique, distance, record, laps, nitro, le bouton E. Ah oui, nitro, ok. Niveau 3 de nitro, impeccable. J'avoue que j'ai pas vu l'essence. On n'a pas pu choisir trop notre voiture aussi. Ouais, mais c'est le premier, c'est normal. Vas-y, remets une course. J'aimerais bien. Attendez. T'as vu où est la pompe à essence ? Bah non, on va chercher. Speedmeter. Tachomètre. Je sens déconner. Je vois pas où est la pompe à essence. Je veux voir. Attends, je vais voir s'il y a une autre... Un autre paysage. Mais non, on passe à un autre jeu, les gars. Allez, franchez. CFT2. Oh non. Oh, là, c'est fini le tournoi. Tu vois, ça, c'est l'usine, ça. On n'a plus le droit de s'amuser aux jeux vidéo. Depuis que le stream est arrivé, on peut plus juste jouer tranquillement, profiter. Voilà, on fait une partie d'un jeu. Asenka, va sur Password et met Horizon pour avoir accès à tous les stages. Top Gear, mais sans 0 à F0. Ben oui, c'est ah vrai. Bah trop tard, dommage. Je l'ai vu trop tard, mais merci pour l'astuce, Canon. On aurait pu avoir maintenant, chers amis, c'est pour boucler cette soirée, vous allez un bon mode ballon Mario Kart. Oh non, bah, si. Le mode race, le mode ballon, c'est de la merde. Eh bah c'est pour ça qu'on y joue. C'est pour les sacs qui veulent gagner et qui savent pas jouer. Bah bien sûr. On fait un mode ballon et une course. Ou alors on fait que des courses. Ouais, moi je veux bien faire que des courses. J'aime bien les courses. Moi aussi j'aime bien les courses. Hein? Nintendo! Qu'est-ce qu'il y a? Et planté ton jeu. Ah bon? Ouais. Et planté ton jeu! Ah non, merde. Oh. Aïe! C'est vous qui faites nimp. Parce que vous êtes tous les deux fois un jeu en fait. On a joué à Mario Kart comme. Genre, ça peut être serré. N'importe quelle personne. Bah, vous choisissez une course. Et on bait toute la soirée dessus. Est-ce que t'es prêt à remettre ton titre en jeu sur une course de Mario Kart ? Non. Tu vas faire quoi ? On fait quoi ? Un Grand Prix ou un Versus ? Un Versus. Bah oui. D'accord, ok. Le Versus. Ouais, donc là, mesdames et messieurs, vous connaissez, c'est le plus haut niveau mondial de Mario Kart. Jouer les mêmes et c'est maintenant que ça va se dérouler. Oh, bah, je joue pas les gros, c'est trop... Alors ça joue sur quoi ? T'aimes bien le map ? Bah on va juste éviter Sherbetland, mais sinon ouais. Enfin Vanilla Ice, pardon. Vas-y, c'est Vanilla Ice, ouais. Vanilla Ice. Ice. Oh non, les chocos c'est dégueulasse. Ça, mais Bowser c'était bien, hein. Bowser c'était bien. Bowser Castle. Coupa Castle 2. Yes. Il est dur, hein. Ouais, je sais. Attention ! Ah merde, c'est A. Le champion de Mario Kart. Pour l'instant, avec Ken Bogard. Ken Bogard qui prouve qu'il maîtrise. Enfin, il a failli prouver qu'il maîtrisait un Mario Kart.
Bon, il est là, hein, Yamato, c'est juste dommage qu'il... Et en fait, non, ils sont tous les deux nuls. Bah, finalement, vous auriez peut-être dû mettre le mode des sacs, là, le mode des ballons. Hein. Mais s'il te plaît. Ça serait peut-être mieux. Le respect. Ah, merde. Je me suis fait toucher. Quoi, le truc, c'est là. Oh, putain, ça, j'aime pas. Da-dou-da-dou-da. Toi qui a posé la banane là, Yamato. Ouais. Oh là là, mais il est pas, il est pas si loin derrière. Hein. Il a posé banane ouais, et il mange la lave. Ouais, alors que Yamato tente de revenir. Alors il a une plume, ça peut aider bien évidemment, les raccourcis, la tricherie, tout ça. Je prends le mode 7. Mais voilà, pour aller prendre le mode 7. Pour l'instant, Yamato qui a un petit peu du mal, hein, qui lutte, voilà, qui perd ses pièces. Vous avez pas choisi le stage simple, hein. Et qui en plus se fait écraser par les pierres. Évidemment, le meilleur Mario Kart, hein, loin devant les épisodes bizarres sur Switch. Fait prévu une course sur Rugby Rally. Grand jeu, il n'y a rien. Ozedel, qui dit qu'elle a oublié son trophée la dernière fois, écoute, c'est pas grave. Ah, raté. Hein. Ouais, je pense que pour finir, je crois que je vais regarder, mais je pense que j'ai peut-être un jeu de versus absolument machiavélique pour vous régler quand même un vrai réglage ultime. Règle-nous. En bonne et due la forme. Hein. Oh, j'y arrive pas. Règle-nous d'horizon, règle-nous. Si. C'est dur de pas prendre les murs dans ce jeu. C'est vraiment tellement un jeu du skill. Ah oui, c'est bon. J'arrive pas à passer, je suis bloqué. Chers amis, ça sera le dernier jeu dans quelques instants de ce Retro Esport Club. Alors je rappelle que on vous montre quelques duels amusants entre ces deux joueurs sur Super Famicom, mais ce soir c'est bien Ken Bogard qui dans la première partie du stream, parce que c'est un stream en deux parties, qui a un peu planté au milieu. Je vous remercie, vous êtes presque tout revenu après le plantage le plus bête, je pense qu'on peut le dire comme ça. Ah ouais, c'était un peu bête, mais ça va, t'en fais pas encore. Dans l'histoire des streams. Bah voilà, puis là on est bien et on peut voir que. En fait, c'est pas si facile que ça de se remettre à Mario Kart Super Famicom. Ah, c'est un jeu super dur. Hein. Alors ce qui est intéressant, c'est de vous dire, c'est que la version PAL, en fait, avait été accélérée pour pouvoir tourner. Pour pouvoir tourner, en fait, avec des reprogrammés. Et Ken Bogard l'emporte. Il nous reste 9 minutes, donc on va tout de suite attaquer le dernier jeu. Très bien. Voilà, c'était Mario Kart, c'était pour vous faire un petit kiff, chers amis. Il reste 9 minutes dans ce Retro Esports Club. Et Ken Bogard est très loin devant. Nous allons donc jouer à un jeu d'arcade de Taiyuto absolument fantastique boulou. Voilà, un jeu d'arcade de Taiyuto absolument fantastique. Attends, et on me dit, c'est bon, c'est revenu. Oui, le stream est revenu. Alors, nous allons jouer à un jeu, chers amis. C'est quoi ton jeu? Voici. Arkanoid. Ah ouais, un mode de joueur, trop bien. J'ai jamais mis ce jeu dans la console. Sérieux? Mais sur la jaquette, j'ai remarqué qu'il y avait un mode de joueur. Ah, t'es sûr que c'est pas l'un après l'autre? Non. Mais non, regarde, il y a une continuité. Ah oui, mais c'est comme Pop'n Boons sur MVS. J'adore. Arkanoid, tout le monde connaît Arkanoid. C'est ce soir Ken Bogard. Oui. Voilà un petit peu les enjeux. Très bien. Tu peux décider de partir avec ce bandeau. Merde. Puisque tu as gagné la couronne. Mais tu peux décider pour ton honneur de le remettre en jeu, de remettre ce prix fantastique, bien plus important que la GameCube Q. Très bien. Est-ce que tu remets ton honneur? Est-ce que tu paries tout contre Yamato dans ta cave, Gozulting, sur ce match de Arkanoid? Je remets tout en jeu. Voilà, et ça veut dire qu'il est très sûr de lui. Je t'offrirai un CD d'Otaku dédicacé. Tiens, vas-y. Merci, oh putain, j'ai tellement la hype pour entendre les proutes. C'est un truc de ouf. Je remets tout en jeu. Arkanoid, do it again. Donc quand est-ce que t'achètes un 68 000, Guillaume? Ah! Ah! On a une envie quand même, hein. Est-ce que vous êtes prêts? Attends, je vais mettre le jeu quand même, peut-être. Mais tu sais qu'il y a 2 minutes de stream, une partie d'Arkanoid, ça dure au moins un quart d'heure. Hein? Je sais pas s'il était au courant. Non. C'est maintenant. Je vous rappelle. Attends, il faut que je vous donne les enjeux. Je vous rappelle que tous les scores suite à la demande de Ken Bogard, qui est quand même le mec le plus fair play de la Terre, il faut quand même l'avouer, tous les scores sont remis à zéro. Voilà, c'est la base. Ce soir, dans Retro Game Club, une surprise. Ken Bogard joue avec ses bollocks sur la table. Il va tenter de remporter le trophée. Et voilà, et donc Yamato. De toute façon, si je perds, je l'ai déjà. Est-ce que tu admires quand même Ken Bogard qui s'est bien remis, qui a osé quand même. Il est manœuvre. Il est beau gosse. Mais il est manœuvre, mais c'est parce qu'en même temps, il est très sûr de lui. Il est très sûr de lui. Et je vous rappelle que bien sûr, ça se joue. On ne sait pas, mais à 9 ans, il était champion du monde d'Arkanoid.
Il a été accompagné par ses parents qui l'ont emmené aux États-Unis pour finale où il jouait contre le champion, l'ex-champion du monde qui était brésilien. Écoutez cet homme. Et il l'a battu 3-0. Et Billy Mitchell, j'ai battu Billy Mitchell. T'as battu Billy Mitchell? Non, non, déconne. Il l'a forcé du coup à chanter la dernière séance 12 fois d'affilée. La légende raconte. Mesdames et messieurs, c'est le dernier jeu de ce Rétro eSport Club. Ça va être très très difficile. Ouais, tu joues en terrain connu la game A. Voilà, essayez juste de mettre deux players. On a mis deux players, game A, on est bon. Donc t'es à gauche, je suppose, Ken. Hein. Peut-être. C'est pas un écran trespité, ça, non? Bah, y a pas d'écran splité. Comme je t'ai dit, c'est l'un après l'autre. Hein. Mais non, puisque regarde, il y a un écran splité là. Deux players, écran splité, c'est marqué sur la jaquette. Ça va être le game mode B. Bah, essaye l'autre mode. On va essayer l'autre mode B. Bah, oui. Bah, il fallait lire la jaquette aussi. Toi, t'achètes des jeux, tu les ouvres même pas. Qu'est-ce que t'as ça? Les jeux, c'est fait pour être joué. On va essayer game B. Je sais pas ce qui ça peut chouette. Ah, ça a pas l'air d'être forcément bon, hein. Allez, c'est le mode C. C'est la coop. Putain, y'a un mode coop. Tu sais qu'il y a un bouton reset, hein, sinon. Bah, c'est ce que je viens de faire. Voilà. On va y arriver, les gars. C'est ça. Ça, c'est... Vous voyez, ça, c'est les vrais streams. Ça, c'est les streams qui sont potassés. Les jeux sont testés. Oh, putain! Oh, putain, on est parti. Le deathmatch de la fin de cette soirée. C'est maintenant que tout se passe. Ken Bogard est à gauche contre Yamato en bleu à droite. Et voilà, ça joue à Arcanoid. Et oui, parce que c'est comme ça que ça se finit sur les Kakuto Games Super Famicom. Alors, c'est très difficile de vous dire exactement qui a l'avantage. Je dirais que c'est Ken Bogard hein, qui a plutôt l'avantage puisqu'il y a eu les multi-boom et le rayon laser, disque laser de Dorothée. Voilà, il va récupérer le power-up qui est totalement trouvé pour Yamato. Pour l'instant, Yamato est plutôt pas mal. Hein, c'est très très serré. C'est génial, ce jeu combat. Et Yamato qui prend le premier round. Et là, le premier point. C'est un round. Premier point pour Yamato, et c'est absolument pas terminé. Je vous rappelle que c'est la folie dans ce Rétro eSport Club. Le Dragons, pour l'instant, qui est... Il se passe rien, là, non? Pourquoi il se passe rien? Parce que c'est les faut de les taper trois fois. Ah, d'accord. Voilà, pour un Arcanoid, le meilleur jeu de Versus sur Super Famicom. Là, je sais pas trop qui a le lead, alors que Yamato, effectivement, a pris le premier round. Je rappelle que Ken Bogard a remis son titre en jeu, qu'il a gagné ce soir et il est en train d'absolument tout perdre. J'aime bien la musique, elle est un peu anxiogène et tout. Je pense que la musique, t'as remarqué le derrière, c'est le vaisseau d'Alien, hein. c'est le premier vaisseau, hein. il y a pas d'histoire, mais oui. Pour l'instant, Yamato est plutôt, regardez, il a cassé plus de briques qui disparaissent, il est en train de réussir franchement une c'est quand même pas un jeu qui casse des briques, hein. J'avoue. Tu veux que je refasse planter le stream avec mon bouton power là? Pire plantage de la guerre. Mais putain, tu vas les toucher tes briques! Tu vas les toucher tes briques. Yes! Oh, bâtard. Bah, c'est vrai que c'est pas passionnant, hein. Il faut quand même se l'avouer. Donc là, c'est la finale. C'est sur ce round que tout va se jouer maintenant, tout de suite. Qui de Yamato, qui a fait une remontée fantastique, va l'envoyer contre Ken Bogard. Je vous dis que c'est maintenant que la vérité va éclater au grand jour. Qui est une fraude des jeux Super Famicom? Qui est le véritable empereur? Même si Ken Bogard a gagné 75% des jeux ce soir, c'est maintenant que ça va se décider. Mais pourtant, il est plutôt bien parti, en fait, la Ken. Yamato qui revient. Yamato qui joue très très bien, là, pour l'instant. Il arrive à ne pas bouger. Il arrive. C'est génial. Oh, putain. Ça fait 10 minutes que t'as pas touché la balle. Ah, c'est quand même le meilleur jeu de la Terre. Pourquoi est-ce qu'on achète là? C'est chaud, frère. Oh, le skill des joueurs est absolument incroyable. Et ce qui se passe, la folie. Je sais même pas qui mène, je comprends rien au jeu. Ah, je pense que c'est quand même Ken hein, qui a détruit plus de pièces, hein, très clairement. Ken est devant Ken qui va récupérer évidemment un super power up qui permet de détruire les pierres. Oh, ça va être très très dur hein, pour Yamato qui n'arrive pas en fait à, vous voyez, à trouver dans les lingots d'or hein, les mystérieuses cités d'or. Ah, j'ai perdu. Yes. Comment ça t'as perdu? Pourquoi t'as perdu? Il a perdu la balle. J'ai perdu la balle. Et Yamato remporte ce Rétro eSport Club après une remontée finale complètement improbable. J'ai gagné au jeu où il faut jouer le moins. Mesdames, je me sens tellement sale. Ken Bogard, quand même très beau joueur, hein, évidemment, qui a remis son titre en jeu. Ken Bogardo, tu as remis ton titre et tu... Oh là 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 là. J'ai fait une énorme erreur technique. J'avais le truc
pour maîtriser où j'envoyais ma balle, et je l'ai échangé contre un laser qui ne pouvait pas atteindre la dernière brique. Ah bah ça c'est la classique. Ah merde. Ça, c'est... Mais ça en fait... Chez Alors, chers amis, il est temps de passer à la remise des prix. Ah, incroyable. Donc, alors, Ken Bogard, pour cette quand même... Parce que t'as quand même gagné le défi en 4. Hein. Oh merde. Donc, pour cette très J'ai belle performance, tu as gagné, regarde, le CD de Squirtun Magician, la BO de Hard... Oh non la Mais BO non Oh Hunter, non voilà. Je gagne vraiment Et tu as gagné le Blu-ray. Mais arrête. Avec les disques Blu-ray, la liste des courses. Et voilà, et Yamato, tu as gagné ce soir, grâce à ce dernier match, le droit de repartir avec ce que tu veux dans cette pièce. C'est comme, tu sais, il y a un truc comme ça, c'est pas le juste prix, là, où tu peux, ou but, ou je sais pas quoi, là. Tu sais, tu repars avec ce que tu veux dans le truc. Voilà, donc Yamato, à toi de jouer. Or, Yamato, qui décide donc de repartir avec le Arcanoid. Voilà, voilà. Bravo, Yamato. Je pense que... Ah, je suis trop saucé. Voilà. Mais il y a la boîte ou pas pour l'Arcanoid? Saison 1 et saison 2, hein. Voilà. Ah, disponible chez Omake Books. Salade tomate oignon. Et diffusé sur Game One en ce moment. Et bien sûr, ça sort en octobre dans toutes les grandes surfaces, Amazon et compagnie. Et c'est diffusé sur Game One depuis la semaine dernière. Et la saison 3 est diffusée en ce moment. Non, c'est la 2. C'est la 2. C'est la 2. La 3, c'est la 3, bientôt. La 2. La 2. Bon, allez. On sera dans la 3 d'ailleurs avec Kevin. Bah oui, j'espère bien. J'aimerais bien vous avoir dans l'émission, mais il faudrait que vous puissiez venir au Japon. Ouais, faudrait qu'on puisse aller au Japon. Oui, déjà. Déjà. Déjà, il serait bien qu'on puisse aller tourner. Déjà, bah, mais t'as vu que si je vais au Japon, j'ai pas envie de me faire embarquer dans 3 semaines Vitality. De Horizonnerie. Avec tonton qui touille. Voilà, avec... Et Vitality, ils veulent pas financer un Looters. Bon, alors... Appelle à Chiquito, demande-lui de financer un Looters. Attends, Chiquito m'appelle. En version live. Putain, mais cette photo de Chiquito caractère. Dit on vend le Hive de Vitality pour payer la saison 3 de Hard Looters. Oh putain, la rêve. Incroyable. Voilà. Non, mais merde, je le dirai jamais assez. Jamais assez, merci. Mais quel homme. Pff, c'est le meilleur. Blague à part, je vais juste vous montrer ça parce que la musique que vous allez entendre quand là je vais couper, je te le pique 2 minutes, hein, je fais tout ce temps ça dans l'émission. En fait, il s'agit de l'OST de Hard Looters composée par Squirtune Magician. Un truc, il y a des musiques originales et il y a des remakes, notamment le remake de Ghost in the Shell est absolument incroyable. Je vous mets ça tout de suite quand on aura coupé l'émission. Voilà, ce sera quelques secondes de musique pour profiter avant la coupure du stream. Et voilà. Alors, Ken Bogardo. Oui. Ton actualité, quand même, parce que c'est quand même une émission, vous êtes actuellement, venu... Actuellement, je suis... Dis un truc sérieux, 2 minutes, tu vois. Esclave sur le stream, puisque je remplace tout le monde. Voilà. Non, mais quel est mon... Dédicace à Frédéric Lu. Absolument. Les indispensables. Alex Nassar. Ouais, Alex Nassar, Frédéric Lu, tout à fait. Les frères du toutes game. Toutes les équipes de jeuxvideo.com avec qui je travaille depuis maintenant... Alors, Last of Us 2. Depuis maintenant 6 ans. Ah, c'est pas pour moi, hein. ce genre de jeu-là. Je dois bien. Oui. Je fais Red Dead Redemption 2 déjà aujourd'hui, je m'ouvre au monde. Mais ouais, si vous voulez suivre un peu de rétro gaming, je fais actuellement sur ma chaîne perso un marathon qui s'appelle le Donkey Kong Finement. Wow, c'est stylé le nom. Qui est tout simplement le but aussi, de terminer tous les Donkey Kong, c'est voilà, twitch.tv/KenBogard. Slash le stream. Zéro. Comme moi, à la place du haut. Voilà. Yamato. Bah moi, mon ta actu, chaîne, déjà ma chaîne, c'est twitch.tv/yamato. Mon actu en ce moment, je fais Nioh, parce que j'aime bien les japonaiseries. Toi, tu parlais pas de Nioh? Non, je parle du jeu. Pendant un moment, j'ai freeze. C'était game à toi, ça. Voilà, exactement. Et puis, bah, je stream en général un soir sur deux ou un soir sur trois, à la cool. On est sur un stream de trentenaire, posé, tranquille, à la cool. Ah ouais? Ouais, voilà, de temps en temps on fait des expérimentations, on fait des streams couture, on fait des streams peinture de mur, on fait des streams. Tu m'invites plus sur tes streams? Moi je t'invite ou tu m'invites plus? Ah, faut que je t'invite dans ce cas-là. Tu m'invites plus ou si tu veux venir faire des streams couture où on coud des masques avec le tissu des personnages de Demon Slayer. Y'a pas des streams où on fait des pizzas? Vous habitez pas? On peut... Oh ouais, un stream pizza, vas-y, je suis méga. Pizza contest, hein, moi je suis grave. Le problème c'est qu'il faut attendre que la pâte elle gonfle après. On fait le stream pâte et le lendemain on fait le stream pizza. Je fais pas ses pâtes lui-même. Si, ah ouais, bien sûr. Tu as pas cuisiné depuis quand, toi? Bah, le confinement. Ah, c'est bien. Je suis fier de toi. Bah ouais, mine de rien. On s'est tous fait Nioh. Non, il a appris à cuisiner pendant le confinement. Putain, je suis fier. Sa femme ne lui a laissé faire que les pizzas. Il a interdit du reste, mais... C'est son plat préféré. Step by step, tu vois, genre... On dirait mon beau-père. C'est super bizarre ce que tu veux te dire. Bon, trêve de plaisanterie. D'ailleurs, cette semaine, on va sûrement faire en stream des gyoza vegan. Super.
super bon. Ça, c'est stylé. Ouais. Alors, l'actu... bon, merci à Vitality. J'espère qu'on peut pouvoir faire un épisode la semaine prochaine qui sera assez craqué, spécial jeu de combat Neo Geo avec SS7 contre Mutronix. Oh, trop bien. Ça serait assez dingue dans Retro Esport Club. En plus, Mutronix, il joue absolument à tout. Bah, c'est clair. Lui, mais il est pas encore au courant. Il est pas encore au courant qu'il est invité. Hein, donc, ah d'accord. Ah, saut d'escalade. Voilà. Également, demain soir, il faut savoir qu'il y a un stream Neo Geo chez MO5.com pour fêter les 30 ans de la Neo Geo. MO5, vrai. Des gars sûrs. Hein. Des gars sûr. Je suis membre voilà. d'honneur à vie d'MO5 parce que j'ai donné plein de jeux. Ultra sûr. Les gars sûrs du game, dédicace à Kendo, à tous les frères d'MO5. Évidemment, moi, Sébastien, il y aura Kusoge mardi prochain, qui risque d'être... On va déballer la Pledia, les DBZ Pledia, donc je pense que ça va être une émission. Ça sera sur asnk.tv, voilà, ça c'est ma chaîne perso. Et... non, c'est asnk.tv. asnk.tv, il y a pas de point. Asnk.tv. Ouais. C'est une grande chaîne d'ailleurs. La scène 4 avait une grande, grande chaîne. Donc merci à Vitality, merci à Chiquito d'avoir laissé ce deuxième épisode exister. C'est pour ça que je suis perdu. J'espère que dans le troisième épisode, je ne couperai pas le stream involontairement. Merci à vous d'avoir été là ce soir, d'avoir proposé le meilleur gameplay sur les meilleurs jeux de la Terre. C'était fantastique. Merci à vous surtout d'avoir été aussi nombreux et d'être venus après ce plantage de stream inopinant. Je pense que c'est le mot. Le meilleur jeu de baston de la SNES. Voilà, très très grand jeu. Et le stream n'est pas tout à fait fini. Je vais couper le micro, mais je vous envoie les meilleurs FTG sur Gundam de Squirtle Magician pendant quelques minutes pour vous laisser un petit peu kiffer et profiter de la bande son. Merci à tous. Voilà, n'hésitez pas. Team Vitality, la super équipe avec cette chaîne Twitch. Il y a de tout. Il y a évidemment de l'e-sport, il y a du rétro, mais il y a aussi du fitness. Et il y a bien sûr l'émission VIP avec Marie, la consoeur de G1, la grande Marie, que je salue. Voilà, voilà. Puis bon, bah, la semaine prochaine, merci à tous et bonne soirée. Bisous, Chiquito. Voilà.